No. Bienvenue! Re-bienvenue, Marilyn. Hey, je sais, c'est vraiment. Les gens m'ont demandé et redemandé. J les gens me disent, mais t'avais dit que t'allais venir au mois. <laughs> ça fait trois mois. Quoi? Ouais, je suis ah ouais? vraiment. Ouais, les gens okay. nous préfèrent à trois. Ok. Que okay. Juste vous deux. Ben, je comprends. Ben, on a fait le tour de dire ce qu'on avait à dire. Hein? <rire> <rire> non, mais j'ai écouté le dernier avec ton accident, de tes deux ouais. accidents d'auto. Je t'ai trouvé con. Ouais. Mais tu sais, après mais, ça, Fais mal à personne. Fais mal à la personne. Fais mal à la personne. personne. C'est ça. Ben, Puis, tu fais ça à jeun. Ah, jeun, c'est ça qui est triste? Ouais. ouais mais c'est quand même drôle que tu sois ce gars-là, qui fait, ça passe. Ouais. Je recule, ouais. j'avance. Je... Oups. Oups. Mais moi, quand, moi, quand, je, moi, quand je, je, je pète de, de... Du matériel. Du ouais. matériel, ça me fait jamais rien. On est deux. Je fais, c'est pas ben vrai là, ça que... C'est pas vrai que je vais euh, miner ma journée parce que j'ai brûlé mon laptop avec une chandelle. Non, mais, mais là, ça, je comprends, mais mettons que... Euh, je la tasse ma que t'as donnée ta grand-mère qui est morte il y a comme cinq ans dans des circonstances dramatiques. J'ai aucune tasse comme ça. Okay. Juste des tasses <laughs> genre de Mickey Mouse que personne m'a donné Non, mais je comprends un cadeau qui a, qu a de la valeur. il est cassé, là, ça te fait de quoi? Là, mais pas, pas de moi. là à miner. Ma journée, je vais faire, ah, oh, si c'est ça qui est arrivé. Je l'aime pareil, ma grand-mère, oh. j'ai encore ses souvenirs. Merde, Jacques, on passe à autre chose. Si la tasse casse. J'ai les mêmes souvenirs, j'ai la même relation avec elle, ça change rien. Elle voudrait pas, plus, elle voudrait pas que j'aille de la peine pour ça. Voilà. c'est jamais ça. Ça, ça me fait rire. Ça. Là, oh, tu voudrais que ta grand-mère, a... a... se dise genre, j'aimerais ça gens... qu'ils braillent toute l'après-midi. Non, c'est comme, non, non c'est ce comme les gens qui sont comme, oh, il aurait voulu ça. Tu le sais pas. Je comprends. Tu sais, mon, mon, tu sais comme à des funérailles, tu vois ça, il aurait voulu qu'on boive. Peut-être pas. Peut-être oui. peut qu peut mais... qu peut qu'il y avait un problème d'alcool ouais. vraiment en Parlons secret, en. il ne disait pas à personne. Parlons-en. Comment tu veux qu'on agisse à des funérailles Comment quest ce que tu veux qu'on fasse Ben, vous avez vu les funérailles de la reine Je pense que c'est une... <laughs> un bon plan d'architecture pour. La base. Fait que tu qu'il y a plein de de famille Weird? Déjà, oui. Ouais. Deuxièmement, non, c'est pas compliqué. Premièrement, puis ça, c'est pour ça que je soupçonne que tu seras comme pas vraiment euh, en capacité de venir. J'aimerais ça que les gens soient bien habillés. On fait va s'arranger ça... pour que ouais. un... On va éloigner quelque chose ça, à sa platine. Non. <laughs> <laughs> Belle bel bel robe, le non? Belle Non, non. Oui. Ben, okay, si, s'il y a du médiéval, comme je vais faire exprès depuis, je crois peut-être pas la réincarnation ni au paradis, mais il y a de quoi que tu vas avoir un sort pas. si tu pointes si tu pointes chez nous à mon funéraille à en médiéval Yo, je, fais ça. je te jure que ça va être les rois okay. maudits deux à partir okay, de... les ah, okay. sept prochaines générations de ta famille à partir d'aujourd'hui je mange mieux pour vivre plus longtemps que toi pour gâcher des funérailles puis m'habiller en médiéval pourquoi tu ferais ça on fait, prince on fait un deux princes live on de... à mes funérailles ouais, puis tu as ouais. un micro devant toi <laughs> Exposé, Thomas Palm. Honnêtement, seul. honnêtement oui. mes funérailles, ça serait la bonne occasion de faire un deux princes parce que je trouve que devant public, parce que <laughs> c'est à ce moment-là que je vais être parfaitement à l'aise. Tu seras jamais à l'aise. <laughs> ben oui, quand Les je vais être à l'aise. parents découvriraient que c'est pas genre quelque un chose projet de... médiéval, <rire> malgré <rire> le fait que Thomas va costume. être habillé en côte de maille, ouais. mais comme. Mais, mais mes, mes funérailles. On non, va mais on après, c'est vraiment mieux. Une... Déjà. Déjà, on va, on va mais je m'en fous de mes beaux. cheveux en ce moment. Comme c'est pas ma coupe de cheveux, c'est pas moi. Fait que, um... Ouais, c'est parce pour un rôle, parce que t'es un artiste de, de jeu. Mm -hmm. Ben ouais. Puis, <laughs> dans le sens où, ben quoi, je vais pas dire non à ça. Non, tu dis, tu dis, dis, dis je suis un acteur québécois. Non, je suis pas un acteur. <laughs> Dis-la, voix haute, oh, je suis un acteur québécois. Pourquoi je dirais ça. Parce que tu viens de dire que t'assumes. Non, j'ai dit, tu viens de dire parce que t'es un artiste de jeu. oui, à 100%. Dis, ben, artiste de jeu je slash acteur québécois. Ténébreux, Mais tourmenté. T'es un acteur québécois, t'es quoi? Ben, je suis quelqu'un qui essaie de survivre dans le merveilleux monde du Showbiz, qui est très proustien. Plus j'avance là-dedans, plus je fais comme Oh shit, il y aurait le temps de. y aurait le moyen de faire à la recherche du temps perdu version Showbiz Québec. Il se passe à rien, hein, Showbiz. Mmh... Là, un podcast tranquille à 8 h Je sais je sais pas. Ben, pas, pas. Tu devrais être fier. Pour vrai De Prince, c'est fou l'écouter. Les gens adorent ça. Les gens t'aiment, te découvrent, là. Oui, je sais, un... mais, mais, mais c'est parce que je suis tout. Oui, mais moi, là, dans la vie, je me questionne tout le temps sur constamment sur... Tu sais, je pense que c'est une quête légitime de vouloir être bien puis heureux. Ouais, comme... La tienne, c'est profond, quand même. Ben, t as t ben Oui, oui peut-être, mais il mais y a des gens qui c'est encore pire, y a des gens qui ça les moins. Ouais. Puis, je veux dire, je suis juste... Je m'inscris dans... Puis je pense pas être exceptionnel de ce point de vue-là. Puis, tu sais, l'autre fois, fois euh, j'avoue que... Il euh, euh, y, y a un... Tu sais, j'ai fait une crise d'anxiété. Où? Chez nous. Puis... Ok, je pensais ici, pendant Deux Princes, je comme quoi tu l'as bien caché. Moi, je les écoute toutes, puis je pas vu ça. Non, mais ben ça arrive. En fait, en ce moment, je suis toujours anxieux sur Deux ah Princes. <laughs> puis, <princes>, <laughs> c'est devenu mon. Tu sais, hey, Philippe parle plus vite dans Deux Princes, Non, il est juste fucking parano. <laughs> pis... Il ne se passe rien. Il se passe rien, sauf qu'on sait pas ce qu'il peut. Tu sais, on sait pas. Mais qui toujours... sait si un agresseur sexuel ne peut pas m'écrire une lettre à un moment donné pour me dire qu'il tripe sur moi? Puis? Ben, pis excuse-moi, c'est pas tant trippant là, comme, comme moment dans une vie. Là, Le gars, il a peur de vivre. Ouais. Phil, c'est ça. À chaque seconde, il a peur de vivre. Tu mm -hmm. sais qu'à l'épicerie, tu pourrais te faire attaquer. Ben, c'est pour ça mm -hmm. que je veux pas à l'épicerie comme je fais faire. Fa moi, moi, métro et moi, hein, c'est mon petit projet. Là. Est... Non, c'est pas vrai que tu fais livrer ton épicerie. Fais livrer ton ben, épicerie. Moi, moi le, 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 le moins je sors, le plus je suis à l'aise. Mais tu sais, je veux pas dire que je suis un ermite, mais, mais pas je check des vidéos de ah, doutes qui se construisent des cabanes dans le <laughs> bois avec ah, un ça. clou puis une corde. C'est assez de pire en pire. Non, mais, mais dans le sens où je suis. Non, mais c'est juste que je genre, suis genre, quelqu'un de. de, de, de... D'anxieux, puis de, de, de quelqu'un de, de, de reclus, quand même, malgré les apparences. Aucune, comme, personne ne te voit en disant tu n'as pas l'air reclus. ben c'est ça, mais. Personne, mais déjà, comme, lui, il est outgoing. Non, c'est pas ça, contrairement aux apparences. Mais tout ça pour dire que, ouais, je, je, je vis avec l'anxiété, puis j'ai réalisé que le podcast était quand même. Euh, tu sais, quand je fais comme l'espèce de. Souvent, je prends le temps, tu OK, pour, comme. Qu'est-ce qu qu qui me Qu'est-ce qui. Très souvent. C'est deux princes. C'est deux princes. L'affaire mais... qu'il va bien, tu as le pouvoir <laughs> oui, sur tout, je ne rien de mal. Mais que que je ne sais pas ça ne Que ce serait... n'est que du succès. Que tout va bien. Mais que les gens. Oui, dors. mais c'est oui, parce que c'est un monde que je ne connais pas. Mais ce n'est pas, pas un là, monde. Mais tu commences à le connaître, pas... un que es... Non, les gens, en fait, la chance que j'ai. Les gens qui écoutent Deux Princes et qui m'en parlent 100% du temps sont gentils et sympathiques. Comme 100% mm -hmm. du temps. J'adore ta vulnérabilité. Ben, oui. peut-être, mais après ça, euh, les je lis pas les commentaires, j'avoue. Fait comme ça, ça, tu lis. Des ben, fois je ben, parlais des commentaires, puis des Non non, des non des mais, mais je oui oui, mais, mais je veux pas, dire j'ai lu. Pas, une... pas là, ça ben, c'est ça, ça j'ai lu une de... fois, une fois comme au 15 épisodes. fait comme j'ai lu, je, je considère ça ami. mais dans le sens où il y a quand même un truc avec avec avec, avec internet qui me rassure pas. Je suis pas encore capable de mettre le doigt dessus. Je pense que ça dépasse largement deux princes. C'est tout par rapport à. En fait, mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je suis ultra anxieux par rapport au délestement qu'on a face à l'intelligence artificielle. que Je trouve que. Puis je trouve que. tout ça, mais ça n'a rien à voir avec. Il pas peur que l'intelligence artificielle prenne le dessus sur nous? Non, en fait, non. On fait juste parler de micro. Non, c'est que j'ai peur, en fait. Que ce les qui... gens te fassent parler après non, ta mort en prenant du toutes tout. tes photos. Non, ça, je torche <laughs> Parce qu'en en fait, non, ce qui me fait peur pour vrai avec Internet, c'est que, ben premièrement, premièrement, la culture du podcast, je la découvre en soi, puis j'essaie de comprendre ce qui se passe, puis les répercussions de ce qu'on dit versus ce qu'on fait. Fait que ce n'est pas une culture que je comprends entièrement encore. Ce pas un écosystème dans lequel je suis 100 familier. Puis deuxièmement... Parfait, ça sort de ta zone de confort. T'as besoin de ça dans ta vie. Oui, peut-être. Sauf chez que, vous. ben, c'est ça. Puis je suis pas dans ma zone de confort. Puis je l'assume. Mais peur à l'épicerie. J'ai pas peur à l'épicerie. Okay. Mais, sauf, mais... Sauf, sauf quand je. Non, mais il y a. Ben oui, ans... t'as peur à l'épicerie. Non, mais, ça, mais la seule ouais. affaire qui me fait peur à l'épicerie, c'est quand, quand je vois qu'il y, y a comme. Tu sais, le caviar de. En tout cas, j'aime pas quand ils mettent juste du caviar d'Esturgeon. Ça m'écœure un peu. Mais ouais. <laughs> je suis comme, dans quelle zone je suis. vrai. Si pas a chez ma Le caviar de Beluga, tu sais. J'ai aucune idée, mettons, où est le caviar à l'épicerie. Lui, non. Mais il va pas, fait qu'il sait pas non plus. Il vient d'inventer quelque chose. C'est le caviar. J'ai déjà fait. Mais ben non, mais il y a toujours du petit caviar de, du caviar cheap à l'épicerie, là. Le du roux, caviar de sushi rouge, rouge et orange. Ouais, ça, moi, j'ai déjà acheté ça une fois. Ouais, j'ai jamais mis ça nulle part. Non, non, mais en fait, c'est pas un caviar très très goûteux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a du caviar des fois à l'épicerie qui est correct, mais comme c'est pas le grand caviar de la maison ouais. caviar et. Le caviar de mais... beluga, ça doit être énorme. Ben, ça dépend de Non, non, mais c'est du caviar de mort Non, non, mais. En fait, étonnamment, le caviar le ca ukrainien le... puis le caviar iranien c'est vraiment dans les top caviars euh, apparemment. Bon. Puis le caviar de de, de de beluga blanc apparemment c'est le top, Je n'ai jamais goûté malheureusement mais euh, mais ça pour dire que ouais euh, moi quand je vois ça à l'épicerie, je suis comme puis qu'il n'y a pas ça, je suis comme pour vrai, je capote. Ou quand je vois pire du caviar, mais du caviar en spécial oh, au « se méfiez-vous tout le monde », comme « courez », parce que je veux dire, il ne faut pas acheter okay. ça. C'est le bout où ça commence à être moins intéressant. Ouais. -tu, euh, mais Non, mais finir... ça pour dire que... Il ne se sent pas à l'aise. Ouais. À... Il ne se sent pas à l'aise, mais faut il faut qu'il parle tout le long. Non, c'est juste on lui a demandé de s'exprimer, on lui a demandé. Non, puis le truc de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, je trouve que ça s'inscrit dans une espèce de concordance où ce qui me fait peur en ce moment, c'est qu'on n'oppose on, on pas l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, puis on se déleste. Puis ça, je le vois de plus en plus, puis ça me fait peur, c'est tout. Puis la manifestation de ça, c'est sur les réseaux sociaux, entre autres choses. Fait que c'est tout. L'intelligence artificielle, tu sais, Harry Styles s'est fait raser, là, dernièrement. Puis là, ça a fait de la tollée sur, sur les réseaux sociaux parce que le, le curly boy, Harry Curly Boy. Mais il paraît qu'il est chauve, hein? Ben non, mais il, il commence à caler. Tu sais, il commence à caler, mais avec ses cheveux, avec ses cheveux bruns, c'était vraiment beau. Ben, c'est sûr, c'était des rallonges, là. Non, non, non. Hey, ça, pas, ça, courant, va, ça, ça va, la conspiration, là. Ça va, la conspiration. Harry avait des, avait des, des ses, mèches à, clippées. <laughs> <à, à> il <fouille rire> dans il évident. C'est sûr vu. que ce n'est pas des mèches du genre. Non, non, il y avait juste, il calait comme, un peu comme vous deux. C'est pas vrai. Plus moi. Non mais c'est vraiment ça, c'est comme un, genre une espèce de, de, de M là dans le fond lui, fait... lui il s'est fait raser après sa Puis tournée. Le... Puis là les gens, tu sais je veux dire, on, okay, les, les filles sont tristes. Moi, même moi j'ai fait "Oh, on dirait qu'il est comme moins beau qu'avant mais c'est pas grave, moi je suis vraiment de plus une fan de sa musique. Bref. Euh, les, les, le AI a fait, écoute, ça a pas de bon sens là, des vidéos de Harry qui se fait raser comme s'il était filmé en train de se faire raser, des tu sais, on c'est c'est tellement réaliste là. Non mais c'est ça qu'on mais parce que là, tu c'est ça. tout ça. Là, moi, ça, ça mais là, il y avait un article dans mm -hmm. le là justement, de que le Sport Illustrated, il y aurait eu comme un, un, quoi, ouais. un, un journaliste qui n'existe pas. Un, des faux journalistes. Dans le Sport Illustrated, il y a des articles qui ont été écrits par l'intelligence artificielle. c'est pas suffisant. Ils ont inventé des journalistes qui écrivent les faux articles. Ouais, c'est hallucinant. Ben c'est ça, ça fait fucking peur. Ouais, non, mais tout est que Personne lit le Sport Illustrated. Non, je mais, comprends. Mais peut-être, sauf que je veux dire, ça fait... Oui, mais là, on s'en fout, c'est le Sport Illustrated. puis, je sais même pas qui, tu as raison, achète ça mais, mais comme, parce il a des, que... Il y avait beaucoup d'athlètes en maillot là-dedans. Oui, là au mois de février, il y a toujours des femmes en, en, en maillot. maillot. Ouais, parce qu'ils ne se rien dans le sport. Mais c'est ça. Puis on va, on va être d'accord que les femmes en bikini, ça a été surpassé par euh, beaucoup de choses. Là. Déjà, la conception de ce que c'est une femme en bikini a, a s'est métamorphosée au fil du temps. Je pense qu après après, en ça, bikini, ce que c'est une femme en bikini. Oui, mais, mais ce que je veux dire, dans l'acceptation de... De l'objectification du corps de la femme, peut-être que c'est moins valorisé qu'avant. Peut-être qu'en 92, c'était comme All right, puis qu'aujourd'hui, on est comme euh, Peut-être que. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que les perceptions ont changé. C'est encore populaire, les filles à maillot de bain. Oui. Et moi, mais... j'aime tellement ça être sur une plage, là, puis être en, en, en maillot. Parce que, genre, ce qui me fait le plus rire, c'est que moi, j'ai pas de maillot de bain. Moi, je mets un top sport avec des bobettes, OK? Let's go. Mais jamais ça paraît. Comme un gars. Mais, genre, c'est vraiment comme je me mets, tu sais, j'ai des bobettes qui pourraient vraiment être un maillot de bain. Puis, à chaque fois, je suis genre, je vais aller me chercher un petit pina colada en bobette brassière, moi. Tu sais, t'es en bobette brassière avec du monde que tu connais. Tu te baignes avec un t-shirt? Ben non. Non. Non, je comprends, Phil, que toi, oui. Ben oui, à 100 Est-ce que je comprends? À 100 Ben pourquoi? Mais tu sais que les gens qui te voient te baigner avec un t-shirt font, ah, c'est quelqu'un qui est pas à l'aise avec son haut de corps. Ben. Tant que tu t'assumes. Moi, j'aime ça, ça sur la plage besoin de. C'est une surprise. Tu es okay, tout le temps tout nu dans le. Tu te mets tout le temps tout nu dans le studio. Ça, c'est. Julien rit parce que Julien, il le sait. Non. Tu mets souvent tout. Ok, Julien, Julien je, Julien. je suis tout le temps tout nu ou, à l'occasion, je mets une chemise, puis là, je On me ramasse en torse pendant 37 secondes top chrono. On t'écoute, Julien. Ah, oh, parce qu'il change. C'est <laughs> ouais, ça, mais ça t'arrive plus souvent qu'à tout le monde. Ben, c'est ça. <laughs> ça, ça une pièce, tu peux te cacher. Ben non, mais ça, ça veut, je veux dire... Hey, je, peux, je peux être à l'aise pendant non, 37 non, non, secondes. Puis tout le temps, ah, y a des tout temps quand il y a des femmes ah, pas pas Tout le temps quand il y a des, des femmes ben de Parce de que, que un, je fais comme du contenu Deux, moi quand les filles me check Esti, genre je suis comme un tabarnak Trois, non a mais ta gueule Je vais parler T'as essayé ta chemise à m'amener pour essuyer un dégât Ben oui, puis c'était comme une joke Mais comme clairement ça a été dans le Hall of Fame Mais il y avait un truc sur internet Dernièrement que c'est une grand-mère qui échappe son latté par terre puis qu'il y a un gars dans le métro qui enlève son chandail Pour essuyer le latté Non, c'est un beau geste altruiste ben, c'est altruiste, Phil. Un... Exactement. Mais sauf que quand je suis ben, Premièrement, après ça, je suis en chandail long parce que en plus, les, 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 à cause des rayons du soleil. Ma toi, peau on dirait que tu es allergique au soleil. À hein? 100 Non, mais c'est vrai, check. J'ai juste des mélanomes. C'est des cancers. de ah, la peau. Ah, c'est full que tu fasses attention. Ouais, toi, tu es, que es, je toi, mette es la à 60. 60 mais puis es plus, à que, plus que ça parce qu'au-dessus de la 60, ça peut peu de la scrap. C'est juste un condensé. Puis après ça, il faut que je reste à l'ombre puis que je protège ma peau. Fait que je peux pas... Euh, mais à la base aussi, je parle pas C'est vrai que quand t'es en corps. tournée, je me rappelle, euh, quand t'étais en bedaine, t'avais comme plein de boutons. Ben, ouais, pas de boutons, de graines de, 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 graine de beauté, beauté dans le dos. C'est mais... pas parce que je suis beau. <laughs> mais. Euh, es très beau, Phil. T'es très Phil. beau, film. T'es un sexe symbole. Mais là, ça fait, ça fait 40 minutes qu'on parle de film. Ouais. ouais, exact. Comment tu vas? Moi, je vais super bien. J'en reviens de plein de voyages, moi. T'es tout être comme moi quand j'enlève ma chemise. Toujours bandé. Yes. Toujours bandé. Tu un de ben en fait, j'ai fait le trophée Rose des Sables. Mmh. C'est quoi? C'est une compétition euh, féminine, 100% féminine, dans le désert du Maroc. Wow. Dans quelle Donc, portion bah... du désert? Euh, C'était quoi le départ, Ouarzazate ou Merzouga mettons. Merzouga. On ah, était ouais. toujours à Merzouga. Dans les dunes, les vraies fucking les vrais dunes. Les vraies dunes, ben, y avait tel... on a vu méga de paysages. C'est dans le sûr. sens que les... moi, j'ai réalisé que ça existait vraiment des oasis dans le désert. Moi, je pensais que c'était juste comme des paroles de chansons d'Olivier Dion, tu sais. Mais non, <laughs> c'est genre, ça existe. Genre, c'est le désert, 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 désert. Tout d'un coup, gros. des palmiers, du verre, de l'eau. Ouais, wow. incroyable, hein. C'est comme un microclimat. Je sais pas pourquoi là, ça fonctionne, puis ailleurs non. Que à, le, autour, c'est de la brousse, mais là, c'est magnifique. Généralement, c'est au fond d'une vallée, en général. Hey, Il y en a n'importe où. Ouais. C'est vraiment spécial. -tu une surprise. Wow. Bien, souvent, tu tournes le coin et puis. Ah! Oui, c'est oh. ça, ça, c'est exceptionnel à vivre C'est vraiment à fou. c'est vraiment découvert... luxuriant, là, comme les Weds là, en question. Là. Les Weds ouais, Tu des... connais des Weds ben oui, je connais des ouedes. Non, mais moi, ben, ça. ça. C'est ça que ça veut dire. Comme... En fait, c'est comme quand il y a une source d'eau, c'est un... une oued. OK, non, nous, les ouedes, ce... est ce qu'on s'est fait dire, c'est une rivière asséchée. OK, bien. Oui, OK, tu as raison. C'est peut-être les je deux. Je me fie plus à ta… Non mais, mais Peut-être peut que « wed, à... wed » c'est la forme. Non, 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 tu as, as raison. « Wed », c'est un, un une race, rivière asséché, mais en tout cas, c'était là où, dans le sens où je voulais simplifier avec « source d'eau », mais ta wed. précision wed. Est, est meilleure. « Wed ». Oui, bon. Wed. puis euh, C'est comment la, comme la course, as-tu le fun? est C'est -ce ah, la chose la plus demandante que j'ai faite de toute ma vie. Là. Je veux dire, ta patience est oh mon Dieu, mise à l'épreuve. On est 300 femmes… Donc, 300 250 Françaises. Fait que tu, sais, tu gères comme tu peux là, avec les Françaises. <laughs> je les adore. Je me suis fait plein d'amis françaises. Mais on, a vraiment, on est vraiment très différents des Québécoises. Oui. Tu sais, mettons, nous, les Québécoises, on était très euh, dans aider l'autre. Puis comme, ah, allez, viens ici. T'sais, moi, moi, là, moi, je suis plus française. Moi, dans, là, t'es pris dans le sable, arrange-toi. Moi, jusqu'à je suis pris dans le sable. Mais ben, nous, on avait un side-by-side -side que les Français appellent un SSV. Ouais. Euh, un côte-à-côte. -côte. fait que, un SSV, un côte-à-côte. Nous, on était bien parce que euh, c'est te tellement tout-terrain. Je veux dire, tu, tu peux descendre des roches quasiment à 90 degrés puis ça, ça y va. As-tu eu peur? Oui, à, à, à certains moments, F et moi, on était comme... On voulait skipper de la route parce que dans le fond, le but de la compétition, c'est pas d'arriver en premier, c'est de faire le moins de kilomètres possible. Mmh. Fait que, mettons, ils te donnent un, un, un roadbook qui appelle, puis ça dit, exemple, faites 1,1 kilomètre à cap 360. Mm -hmm. Fait que là, tu mets ton cap, là, tu fais 1,1 un, un un kilomètre. Après 1,1 un un km, tu débarques de ton truc. Puis là, ça dit fais 200 mètres à cap 90. Mais là, à un moment donné, tu comprends que si c'est 200 mètres à cap 90, puis après ça, c'est 300 mètres à cap 110, puis après ça, c'est 100 mètres à cap 125. Tu fais je pourrais vraiment skipper au lieu de faire la boucle, je vais aller tout droit. Fait que là, tu t'économises du kilométrage pour essayer de gagner. Fait que tu peux le faire en mettons, euh, dans une journée dont on en faisait, mettons, entre 10 et 12 heures, c'est long. 12 heures de side-by-side. Side. Par à 7h le matin. Tu es, es, es en train de gazer à 6h30 demie soir en faisant comme j'ai du sable jusque dans l'intérieur de mon anus. Moi, j'ai encore du sable dans mes souliers. Hein? C'est l'enfer, mais j'en ai, en ai, en ai encore dans les oreilles. Oh. Non, non, c'est ça. Après moi, j'ai comme 7, 5 ans plus tard, j'ai encore du sable dans mes souliers des fois. C'est hallucinant, le sable. ça ce que toi, Pierre, vous êtes poigné? ben là oui mais <laughs> OK, sur quel sujet Mais t'sais, ben, sur non, mais, les gars là non non mais c'est parce un... que <laughs> mais c'est parce ben, que oui oui mais c'est ça qui arrive là quand les filles parlent ça parle ben il y avait les il y, y avait il euh, y avait la Croix Rouge là qui avait ah. des gars okay. <laughs> les gens de la Croix Rouge là il y avait des gens de, 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 de gars qui pouvaient nous masser aussi si on avait mal mais sais ben oui évidemment c'est parce que parce que moi j'étais la copilote donc c'est moi qui avait le trépied qui appelle c'est comme un petit engin sur le sur le SSV qui dit le nombre de kilométrages où on est rendu, puis c'est là où est-ce que moi, je, je, je peux remettre le compte à zéro. Fait que t'as le, le kilométrage total, puis t'as as ton kilométrage secondaire, où est-ce que là, moi, je fais, OK, on est à 300, arrête. Parfait, là, je sors, je vais chercher le cap. OK, on peut y aller. Là, tu, Mais, là, okay, tu il fallait sortir, genre, aller chercher comme une petite boîte, là, comme... Non, 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 non c'est juste que le, les boussoles, malheureusement, avec le, le, le métal dans le side-by-side, oui, oui. side, ça... Ça te dérange un peu le, le nord. Ben le, la là, c'est contre-productif. C'est l'aimant. C'est plus tough. C'est C'est le, le, comme aimanté une boussole. Ouais. Fait que là, avec la voiture, quand tu es dedans, c'est pas juste. Mais, mais y a, ça existe pas une boussole de char? Nous, on en avait une et oh. on en avait on a, qui, était, qui coûtait comme vraiment cher, mais que ma cousine, elle l'a déjà faite. Moi, fait a fait, je vais vous la prêter, je l'avais achetée. C'est super, mais reste qu'il faut toujours que tu ailles double vérifié. Ah ouais, hein. Puis, tu t'es rentre, sort, rentre, Puis Eve, elle a deux mains sur le volant. Fait que nous, on a nos casques avec nos micros dans le casque. Puis moi, je suis comme, tu sais, tu vois, Eve, là-bas, l'espèce de petite montagne. Gars, sort, va voir, là. Puis, va, puis là, fait que là, tu rentres, tu sors. Puis là, elle, elle, toute la journée, elle se fait donner des ordres. OK, arrête, arrête, arrête <laughs> là, là là. Elle, là. Elle, tu, sais, tu comprends. Elle a, elle a quand même un petit caractère. Ben, elle, ben là, oui, puis je veux dire on un se moment connaît. Donné. On se connaît. <laughs> là, là tu essaies d'être douce mais là Mané tu plus de patience. Fait que là on se parlait raide. Puis là, à un moment donné, moi j'ai enlevé mon casque à l'arrivée après une journée. On est arri arrivé à l'arrivée, puis j'ai enlevé mon casque, j'étais toute blessée. Ici, j'avais une espèce de d'ampoule de front. Tu sais genre sur le vif. Puis j'ai enlevé mon casque, puis le gars en entrée il fait ben vous avez pas le droit, hein, vous allez perdre des points." Elle m'a dit que quand on a tourné le coin, elle était pas contente. D'autres, ça fait, on essaie. Puis enlever des points, ça s'appelle rajouter du kilométrage. Oui. Fait que si t'es économisé deux kilomètres, t'en ton hostile petite casse à l'entrée, t'en mets 4 de plus. Quoi? C'est une pénalité. J'ai pas pourquoi? le droit d'enlever mon casse jamais. Pourquoi? Mais là, moi, je l'ai enlevé à l'entrée. Dans l'hôtel, la... faut que tu dors avec ton casse, C'est un bivouac, premièrement. On dort pas à l'hôtel. On va te le dire que tu chies dans le sable, puis. Euh, ah ouais! Euh, oh. Il ouais. n'y a pas de douche là. Oui, il y a des douches euh, précaires, c'est très Ah mais tu, genre le jet, ouais, puis euh, ça, okay, ouais. tu fais comme bon, fois, bon fois, ben, des Des, journées. des fois, c'est ça. Fait que oui, on s'est pogné mais tu sais tellement peu mm -hmm. tellement peu pour on se connaît tellement, ouais. je veux dire à un moment le donné. C'est mais... d'une vie. Pas, ouais, c'est vraiment tu sais si t'sais, la vie, si la vie est un film, c'est un beau passage dans le mien mettons. Ouais. C'est challengeant, c'est le dépassement de soi, mais tu sais les rencontres, le soir là quand t'arrives, arrives là, tu gazé ton char tu es, es allé te laver parce que tu as du sable, tu as eu chaud. Puis là, tu arrives, c'est comme un in. Tu sais, un bivouac, là, c'est complètement un, un petit habitat construit dans le plein milieu du désert. Ouais. C'est des compagnies qui font ça, Ils font comme, OK, parfait, tu as besoin de combien de tentes? Tu dors dans à peu près rien, qu'un petit matelas de sol, une couverte. Puis il y a des tapis marocains partout, 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 partout. C'est immense. Puis là, tu t'assois là, tu vas te chercher un petit verre de rosée, une bière. Puis là, tu jases avec ah, y les avait autres de filles, mais ben, un petit bar. Ah non, non, ben... mais c'est parce qu'au Maroc, c'est pas partout qu'il y a de l'alcool. Non, euh... c'est ça, mais pour mais euh, les Bivouacs, oui. Pour, bivouac, pour les est... Blancs, tu peux tout le temps boire. C'est ce qu'on m'expliquait. Pas, pas, pas partout partout comme dans les hôtels les lieux touristiques il ben y a des restaurants il oui. y a des restaurants c'est que a pas d'alcool tu fais on se lève tu penses en va non non c'est <laughs> ça mais ce que je veux dire c'est que comme quand, quand, quand tu vas maintenant chez l'habitant ou quand tu vas dans des dans certains lodges il y, y a pas d'alcool ah ouais, tu tu, tu, demandes peux pas, là, comme. tu peux apporter ton affaire tu sais. ouais mais je sais pas non mais c'était une question que je me posais d'autant plus que c'est une performance sportive fait que j'étais comme mais tu veux dire on s'entend tu prends deux verres de rosé tes deux yeux dans le t'es écrasé. K ah ouais puis là genre ils tiennent un repas puis là, le repas, évidemment, on n'a pas le droit de manger de tout ce qui, est, qui a été lavé à l'eau, tout ce qui est cru, tout ce qui est... tu sais, parce que tu ne veux pas être malade. Mais c'était quoi les déjeuners? C'était-tu les fameux déjeuners marocains avec l'espèce de shakshuka les... Le pain, le miel, c'était tout ça. Oui, un genre de genre crêpe sec avec du miel. C'est bon ça. Des olives noires. Des œufs cuits durs. Yeah. Mais. Non mais c'est parce que. Mais j'aimais bien ma petite crêpe miel. Non mais c'est vraiment hot le déjeuner marocain. C'est comme, ah je sûr que c'est délicieux mais dans le sable un peu moins. Non non. C'est pas que t'es année mané. c'est parce que t'es année. C'est parce que en fait, ouais, tu sais pour faire du mélange là-dessus, c'est vrai que les premiers jours t'es comme ouh, là comme, mais tu réalises que c'est comme si en fait. Tu, tu visites le Québec, puis tous les jours, tu as des deux œufs bacon, genre, tous les ouais. jours. Bah ouais, tu les manges premi... constamment des gaufres au bleu avec la ça. grosse crème fouettée. Fait es que comme... les, deux, les deux, trois premiers jours, tu tripes, puis après une tu comme, yeah, tu, tu commences à faire, ah, j'aimais plus lui que l'autre, puis là, à un moment donné, tu sais, oh, oh, oh. Mais c'est vraiment bon. Puis c'est relativement léger comme... ouais ouais moi, j'ai quand même... Il y a comme pas de problème. Puis c'est savoureux pour vrai. Puis tu sais, il y a aussi les repas aussi le soir, des espèces de réchauds. tagine. c'est tout le temps du calice de tagine, tu sais. c'est bon, c'est bon. Je comprends. Citron à lait fourré. Oui, oui, mais tu sais, ça, c'est une fois. Sinon, tu sais, après ça, tu sais, t'en as un peu... Tu sais pas, c'est obscur la viande que tu manges. Est-ce oui. de la chèvre? <laughs> je ne sais pas. On verra. Euh, Pose pas, pas de question. Puis, notre Deck, dé... c'est six jours, dans le fond, de la compétition. Fait que c'est comme 150 km à peu près par jour, mettons, je vais dire la moyenne. Oh shit, dans mm. le désert. Dans le, dans le, dans le des... tu tourner. parles de Merzouga. Mais en fait, en fait t'sais, t'sais, le, 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 le bivouac, là tu fais des boucles autour d'un bivouac. Après ça, tu changes de bivouac, tu refais des boucles autour d'un bivouac. Ils te font tourner autour. Mais ça s'arrête. parce qu'ils ne veulent pas vous perdre. C'est un peu une poche de compétition. Non, mais de toute manière, il y a des CPV qui sont des points où est-ce que là, quand tu arrives au CPV, ça le dit dans ton trépied, tu es à la bonne place parce que si tu te perds, je sais pas comment dire ça, mais tu fais combien il faut qu'on défasse nous autres-là? Là. Non, 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 t'es dans le de... Puis là, tu dis comme c'était cap 30, là, mais là, à l'inverse, c'est cap quoi? Là, là t'essayes d'être. Est-ce que ça peut être mélangeant? À un moment donné, on est tous arrivés dans le dans le milieu. On est 60 SSV, genre. Puis tout le monde est comme C'est la place des gens perdus! <laughs> il n'y avait plus d'issue. On était comme Bon, ben coudon. Hey, là, moi je te spot au loin. On n'avait pas le droit, puis ça me dérange pas de le dire, c'est la compétition infinie. On spot au loin qui un dire à moto motocyclette je dis excuse-moi toi tu sais là la place d'arrivée des de nous tu sais nous là il y a une grande place c'est hein. des gros ballons hein. tu sais de... ils font de la compétition tu je veux dire les autres chaque année ça maintenant ouais. hein? pourrais-tu nous amener là s'il te plaît ah oh, il vous a guidé puis là, un genre, genre de 30 mètres avant, il, nous a, il est oh. parti. Fait que là, on était genre toute la gang oh. à faire. Mad Max, on serait, là. Genre. On se serait jamais retrouvés. Il aurait fallu qu'on oh qu ouais. fasse comme qu venir nous chercher. On était complètement... Il y a quelqu'un qui est paradis, c'est bon. Fait que c'est à peu près 800 km. kilomètres. À quel que rang fait... à, vous êtes arrivés? Hein? Sur, 300, sur 300, vous êtes à quel rang? 12e place. Ah, wow! Bon. Mais Très dans bon. Très bon. Oui, vous... Si je suis arrivé 12e, je suis non, 300? Non, mais dans les SSV. Ça, ça veut dire, dire? quoi? Sur 30 équipes. Ben c'est bon quand même. Bon, là, God, es top t es, t es, tier! C'est bon! Top tier, top on, est tier. Dans, on, était vraiment, on était vraiment Super contents. Puis, c'est à cause qu'on a, a eu une épreuve de nuit pis on, on, on a fait comme Hein, on n'a pas trouvé le CPV. C'était la première, la première soirée, pis on a fait Ah, c'est pas grave, on continue! Mais genre, il fallait juste reculer pour aller chercher le CPV, pis on perdait pas 4 km Pis si on avait 4 km de plus, on était genre quatrième, tu comprends? Wow, ouais, fait, wow. vous, vous êtes quatrième dans ma tête. Ouais, dans mon cœur, ouais, on est quatrième. Mais il y a une étape qui est vraiment fucked up, c'est 350 km sur deux jours, pis ils disent bah. On se revoit au prochain bivouac. Puis ça, c'est genre, tu dis aux autres filles, « Hey, on s'arrête on, on à quelle case dans le roadbook pour dormir? Wow. » Tu sais pas où c'est que tu vas dormir, là. Tu dors-tu dans ton camion? Non, on, on avait toute une tente. Okay. On ramassait du bois séché. Il wow. y a du monde qui amenait des, des allumes-feu. Avez-vous vu des fennecs C'est quoi, ça? Les petits animaux, là, les petits renards du désert. Non, on a vu des ânes. Oh, yeah. Ben, des dromadaires. Ouais. Mais des dromadaires libres, c'était cœur, hein? Ça nice. existe, des ouais. dromadaires qui se promènent. C'est leur vie, là. Oui. C'est vraiment drôle. C'est sûr que tous les dromadaires étaient domestiqués. C'est vraiment drôle, un dromadaire. Ça pue, premièrement. Je me suis pas de temps approché. Oui, oui. Quand tu mets son rectum dans ta face, c'est vraiment pas drôle. C'est sûr que quand tu lui donnes des becs sur la Comment tu te retrouves dans cette position? Ben, Thomas, tu me connais, là. Il a avec sa grosse queue touché toucher des anus d'un dromadaire. C'est ça, Thomas. Maroc, tu ne pas d'être Ben, là, tu sais. Moi, j'ai pas payé pour monter sur un dromadaire. J'étais comme, on j'étais genre. Moi, une fois, je l'ai faite, là, puis ça a été un désastre total. C'est spécial quand ça a ça, ça monte. Là. Non, mais ben, ça, c'est pas si ce pire. C'est pas très confortable, premièrement. C'est sûr. Deuxièmement, moi, je voyais ça, c'était à Merzouga, là. Puis que, là. Je vivais genre un moment, genre passé anglais avec ma blonde, là, tu sais, je m'étais un peu habillé euh, désert, mais comme un Britannique des années Vous 20. Vous êtes allé, genre, dans le désert volontairement voir ça, là? Ah, 100%. Ça a aidé ah, bah... aucune femme avec le cancer. Ma, ben, ben, ça a aidé la, la famille pas. qui nous a accueillis en tout cas là, ça c'est clair mais parce que hey, moi je te dis, je regardais ça je comme c'est wow. lunaire comme si, non mais j'étais comme c'est si, tellement sec <laughs> non 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 mais le pire c'est que tu Merzouga ça c'est le, le désert genre des dunes puis c'est inouï c'est vraiment genre les paysages qu'on imagine du désert du Sahara mais Warzazad, comme quand tu fais la, ouais. le, le sud ça c'est le désert genre où est-ce qu'il tourne pour vrai beaucoup de films qui se passent sur Mars ou dans des espèces de ouais. trucs post-apocalyptiques, c'est très rocailleux. Tu es passé par le col de Tichka oh, ça je suis pas sûr, par t'sais, exemple. c'est quand tu reviens vers Marrakech ou Casablanca, ouais. c'est à 2000 mètres d'altitude. Ah oui oui oui, oui 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 oui, sur le bord, à flanc de montagne c'est super sinueux. Pas de garde. C'est une petite route en autobus, je te dirais en, que oui. c'était pas top non, Ah inquiétant. non mais moi j'étais le petit char qui essayait de se faufiler entre les autobus. Pas top non plus. Puis nous, Après qu'on ait passé le col de Tichka, ouais, mais il, fondré, il y a une partie qui s'est effondrée. Ah, On était contents le lendemain. Ben c'était oui. pas nous. C'était yeah. pas. Ben c'est ça parce que c'est vraiment des routes dangereuses. Ben, mais le paysage, c'est incroyable. C'était des nuages, tu nuage, dis... sais, c'était 2000, oh. 2000 oh. mètres d'altitude. C'est que des nuages et du sable. Non, non, mais attends, c'est ah, mieux que ça. C'est bon. de la roche. Oh. C'est qu'en fait, tu montes, tu vois de la roche, de la roche, de la roche, là, ça tourne sinueux à mort. Route genre qu'il y a une poursuite dans James Bond puis c'est fucking, fucking nice. Beau, là ouais. Puis là comme tu passes ça, puis là tu passes le cap puis là fucking forêt partout puis t'es comme hein. Ça sort d'où? Ouais parce que en fait c'est juste le dénivelé, la topographie oh. puis tout. Mais ça j'ai vécu ça en, en montant vers Fess, là. T'es comme il y, a, es... il y a une place au Maroc qui s'appelle fesses? Oui, Thomas. C'est hot. Oui, F-E, accent grave S. Il y a de la médina incroyable. C'est le lieu de la maroquinerie, en fait. Wow. Fait que ça. Pis là, c'est pas… Mais c'est connu, c'est de notoriété publique. Ça sent assez fort merci quand arrives dans les, euh, les tanneries. Fait que fesses, ça, sent, ça, sent à, les ça sent quoi? Ça sent… En fait, apparemment, la légende… Mais là, je sais pas aujourd'hui si c'est vrai… Mais quand t'es là, il t'explique qu'à l'origine, la maroquinerie, il y avait une affaire de genre de pour vrai, là. Puis c'est pas mais que c'était genre de, de des excréments d'oiseaux, de, je pense, de pigeons, OK? C'est extraordinaire qui, que qui... fasse ça sent ça. Puis Je suis contente, je suis contente, Oui, mais c'est pas partout dans le Mais, mais ça, Dans le fond, ça sent la merde, puis, ce que tu veux dire. Non, mais. Ça mais, sent pas le cumin, mais. Non, pas, ouais. ça sent pas la, la dombe, ça sent ça sent genre quand. quand, quand, quand... Quand, quand t'as comme. Bon, du tu es arrivé Tu fais du vinaigre, genre, comme ça ça te bloque mar... les narines, ça te bloque tout. Ça sent-tu, mettons, je fais le lavage, OK? Non, c'est pas vrai. Ça sent-tu, je vais jouer au hockey, j'enlève mes vêtements, puis je les mets à terre, je les solonne. non, okay? C'est pas, pas ça. Pas non, non, c'est vraiment. Ça sent pas poche bleue. En fait, ça sent. Non, mais ça sent, oui, ça sent l'aigreur, comme... comme un acteur raté un peu, mais. Je sais pas. <laughs> Ben là, je viens de faire une joke puisque correct. Ah, Mets ça dans ton show, hein, oh c'est oui. bon. Alors ah, I... <laughs> non, non, vraiment là, honnêtement, note ça, note ah ouais, la... Tu prendre deux secondes ouais, de On noter. va, on va la noter. Pas de problème, le... tu peux te mettre en chaise dans le faisant. Là, ouais aussi. Est fait. Ouais, puis sentir un dromadaire. Mais euh, non, non, fait non que mais... ça sent les fesses. Non, ça sent, ça sent <rire> genre le <laughs> cuir. C est... C est... C est... Et tu as la Marrakech? Ben oui. Moi j'ai adoré Marrakech. T'es allé dans les souks Oui. Le souk de, j'ai croisé Guy Jourdain au souk de Marrakech. Va chier, mange la merde. Ouais. Y avait une grosse barbe, puis il venait de marcher 600 km tout seul? Il avait l'air perdu, honnêtement. Okay. Puis... Parce qu'il est gros compostel, lui, là, genre, il part à chaque année. Ouais, puis... je sais pas, chaque mais... année. Mais marche... tu le fais une fois, puis tu te fais deux fois. je pense que c'est sa deuxième, troisième fois, là, ah, okay. ça. Mais, mais oui, non, j'ai croisé dans le cœur du sucre de Marrakech, Guy Jaudouin. Ça se peut pas. C'est la fois la plus exotique que j'ai vécue. Hey, nous autres, on a vrai. pogné le e coli. Wow. au Maroc, dans le dernier bivouac. Oh, dans fond, la dernière soirée. Je veux dire, on est une bonne gang à l'avoir pognée. C'est des choses qui arrivent, je veux dire. Mmh. Euh, Mais c'est quoi euh, avoir le colis dans le désert? C'est tout stressant? Bien, en fait, euh, ben, pour les gens qui ne savent pas, le colis, c'est qu'on a ingéré des matières fécales. Mmh. Fait que, tu sais, euh, je veux dire. C'est euh, tout ce que j'ai besoin de savoir. Ça, ça peut être euh, une, la fausse sceptique, les mouches qui vont dans le buffet. Je veux dire, il y a bien des gens où on a plusieurs toilettes qu'on se partage. Il y en a une qui est. Bon. Bref, nous, on est chanceuse parce qu'on a commencé à être malade. À l'hôtel, à Marrakech. <laughs> fait qu'au moins, on n'était pas dans le bivouac ouais. à tout ce. Tu sais, parce que moi, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. Je me réveille le matin avec Eve. On avait bu un peu la veille, on était content, on avait je fini oh l'aventure. Fait que là, j'étais comme. Je me réveille le matin, je fais, j'ai des calices de crampes. je fais, j'ai bien des crampes. Eve, elle se réveille, elle dit, fait quatre heures, j'ai des crampes, je suis plus capable. Je fais, ah, mon Dieu, OK, moi, j'sais, bon, j'sais, on a dû manger quelque chose dans le buffet hier soir, tu Parce que là, tu arrives à Marrakech, il y a buffet, et comme. Ah ouais, de la salade, du cru, tu sais, t'oublies, ah ouais. tu mmh. fais comme, c'est pas grave, je m'en fous. Et puis là, c'est euh, des massives diarrhées, là, mais tu oh. sais, c'est genre, ce que ça fait, c'est une crampe comme de 15 secondes qui fait vraiment mal où tu te plies, tu te plies, tu te plies, tu te plies. Tu plies puis après la crampe, il y a comme une poussée de pression, fait que souvent, tu te chies dessus. Mmh. Fait que moi, je me suis chiée dans, dessus toute la journée. Bravo! Dans la nuit, dans le lit. Dans le chié dans le, Non, non, pas dans le sous qu'on t'est ah. rendu. T'es rendu à l'hôtel? À l'hôtel. À Marrakech. À Marrakech. Okay. Tu sais, moi, dans la nuit, je fais comme, ah, oh, une crampe, je m'assois sur le bord du lit en me levant, pression, chie dans le lit. Wow! Tu sais, c'est tout ça. C'est tout ça que j'ai vécu. Tu as, t as dit, les, 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 les femmes qui lavent le ah oh, Non, 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 parce qu'on était une coupe à l'avoir eu le ah, colis quand même. Les, les médecins de la Croix-Rouge étaient dans le jus cette journée-là. Là, énormément. Ah oui, on, on, on était... ça, le, le on... colis? T'attends. Euh, euh, non, antibiotiques. On avait des antibiotiques. des... des ans... <laughs> « Hey, docteur Thomas! » Toutes les maladies que j'ai, j'attends. C'est une, une chicane que j'ai souvent excité. Quand j'ai une <laughs> maladie, bah me J'ai J'ai de la grosseur d'un avocat dans la tête. J attends. M'attendre, attends. 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 attends, Ça Attends, attends. Attends, de, bon de, jus. Oh. Bon de jus. <rire> <rire> Attends, de, ma tante de plus être capable de ouais. dire deux mots après l'autre. Mets de, la glace. Ouais. Mets de la, mets glace. la glace, mets de la glace. Attends, Chaud-froid, chaud-froid. Ouais. Deux Tylenol, couche-toi. <laughs> Mon père, quand j'étais malade, il Attends, à la piscine publique pour faire baisser ma température. Il y avait tard Ouais. Il avait tort, mais et je, je savais pas, moi j'avais 12 ans, comprends <laughs> Il Il me faisait nager. Faut et vraiment, Il est froid, papa! Puis il dit, faut que tu parles! T'as pas ta, ta température, puis je fais, Juste ça. un bain avec, ouais, à, avec de l'amour. Un bain puis de l'amour. Dans le bain, je mettais toujours le de l'eau chaude. Pis qu'il dit, je peux pas te faire confiance, ça fait qu'il ouais, Fait qu'on va t'amener à la piscine publique ouais. le bassin des, des microbes et des germes. Ouais. Tu pas... sais on dit souvent, pourquoi tu as un drôle de rapport avec ton père? Ça a contribué. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie de l'histoire. Je comprends. Fait que une journée de, f, moi, j moi j une chance qu'on se connaît bien là. Avez-vous deux toilettes ou une, une toilette. toilette à deux Mais écoute, on oh, riait. Cauchemar. Non mais tu sais, je veux dire, écoute, on riait. Il y on avait les petits f, à côté. Mais l'avantage, la toi, c'est l'avantage. Ils sentaient déjà leur raie pendant. Ben euh, oui, ouais, pendant la tournée. Quoi, non mais quoi, je veux dire, hey, on a fait de la tournée ensemble pendant six ans. Je veux dire, à quel point ça nous faisait juste rire de genre, on est couché dans le lit les deux, frissonnantes avec les courbatures, mal de vie, mais. Pas possible, pas capable d'ingérer rien, pis là tu fais genre, oh non, oh non, plus là tu te lèves, là, l'autre, plombe là on était comme, <rire> 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 on rit un peu. Elle, à, à un moment donné, elle s'est levée, j'étais inquiète. Elle dit, tu, tu, tu sais, quand t'es dans la fièvre, dans la courbature, puis tu sais, t'es mêlée, tu vas plus bien, ses yeux ils suivaient comme pu, là, elle était là, j'ai jamais été mal de même, de toute ma vie, j'étais comme, je te comprends, elle, hey, non, mais on était dans un état terrible. Le lendemain, on s'en va dans un hammam. C'est sûr que nos intestins n'étaient pas encore très corrects. C'est risqué, je trouve, que On se fait, fait masser au savon noir, les seins sûr. par des femmes. J'aurais attendu. On qu heures. fallait Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, Raman? <laughs> un peu. Qu Quelqu'un nous <laughs> Et nous autres, on est allés avec genre. Tout est resté sur... Il y a des femmes seins. qui nous massent. Oh. <laughs> les seins. Ouais. Ah ouais, on va revenir à ça. On va revenir à cette étape-là. Moi, moi j'étais tellement, tellement, tellement contente de vivre ça, honnêtement, parce que je suis pas très pudique hein. en femme. Je suis pas vraiment pudique. Je m'en fous. Mm -hmm. On ouais. dit on est des femmes. Let's go. Ce c'est pas grave. Mais on est allé avec les deux Françaises qu'on a rencontrées, dont une qui s'appelle Sabrina, qui est enquêteur, enquêtrice à Lyon. Oh, elle non. marchait, elle était coeurante. Elle marche comme si elle avait un habit de policier, Excellent. mais pas d'habit de policier. Elle était coeuramment drôle. Elle disait. Elle, elle a capoté, elle dit « Ah, mais putain, les Françaises, vous dites attache ta tsuk! Elle dit tsuk! Parce qu'elle, elle comprend pas qu'on dit Tu ». C'est Tu ». L'Afriqué. Elle est comme Tu ah. J'aime les Français qui peuvent pas comprendre que le, le français peut être dit... Différent. Non, mais non, a, ils veulent bien le savoir. Elle, a a capoté sur une autres. Elle est comme je vais aller au Québec, je veux vivre le Québec. C'est comme. C'est genre. Elle se reconnaît beaucoup en nous. En okay. quoi, bref. On est avec les deux Françaises, Eve et moi la fille des communications. Yeah. Celle c'est Tara. Tara, je sais pas c'est qui, Tara non. Communication. Bref. Tara Eh ben oui. De ta. Tara hein? qui travaillait elle, juste pour ben rire oui. avant, puis aux oufesses. Pour bon, vrai? On était avec Tara. Qu'est-ce qu'elle faisait là, Tara Ben, elle s'occupait de nous, on était les porte oh! Fait qu'elle était. Elle a été. Okay. Je veux dire, moi, j'ai jamais eu un service de même. Elle était tellement hot avec F. Puis moi, là, quand on était malade tout le long, elle nous trouvait des petits dîners pour qu'on soit. Si, qu des petits pâtés pour qu'on puisse manger dans le désert pendant. La... Elle était cœurante, vraiment. Merci, Tara. Elle ouais. nous revenait, on revenait là, après une journée de 12 heures, on avait une petite bouteille de rosé. Tu sais, elle était vraiment cool. Ah, vous connaissez. Euh, puis. Euh, ah, oh, puis deux autres... Euh, euh, non, enfin, c'est qui l'autre? Peu importe. Avez-vous oh ouais, acheté de cinq... l'alcool là-bas? Avez-vous fait l'expérience d'aller à l'épicerie acheter de l'alcool spécial ah euh, non, on va je sais. Amam, Amam. Mais oui, mais oui. Flat. Non mais c'est ouais, tellement. Ouais. Hey, non mais les femmes là bas c'est tellement drôle, sont comme ah ouais rentre là dedans. Tu rentres là dedans. C'est pas érotique, hein. C'est genre, c'est pas érotique là. Fait que ça ça veut dire que c'est très érotique pour toi. <laughs> tu rentres là dedans, c'est genre. <laughs> ça veut dire que une femme qui te gère là, ah ouais rentre ici à toi là. Ah c'est hey, pas, c'est drôle là, c'est genre ah ouais rentre dans la pièce, on est toutes en en en. en... Jaquette. En ça robe ça fait... de chambre. Enlève ta robe de chambre, ok, pas là. Ils mettent ça sur des crochets, mais ça, ça te bombarde. Là, on s'assoit dans une espèce de sauna, mettons, intérieur mm -hmm. avec des bains, avec un jet d'eau dans le milieu, puis un jet d'eau sur le bord, comme ça. Puis elle, elle est là, elle gère, elle, elle a des gants de crin, elle-même, comme ça. Elle pogne Eve, toi, à te prend le haut de maillot de Eve, elle, elle descend ça, là. Ah ouais, les deux boules à l'air. Moi, j'ai fait. Elle, là, j'ai fait. Gap, yeah, let's go, moi je vais j'ai cassé le malade. Let's les go, allez hein, les filles, let's go, c'est pas grave, La on est tous faits de pareil. Ben oui. On était là de même, Puis là ils sont de même, ils te prennent les bras, ils te savonnent les deux seins de même. Comme, comme, si, comme les massages coréens un peu, là. Comme le... si c'était un enfant qui se faisait laver ouais. par sa mère vite wow. fait parce qu'il faut qu'on aille au souper, mettons. Puis là, là t'es là de même, on mais est en après ça, oui, après ça, exfoliant et tu les seins, le, le cul, l'enfer, mais, mais une après l'autre, elle se faire regarder, se faire exfolier. <laughs> Puis là, après ça, il nous monte en haut. Puis là, c'est le massage. Mais tu sais, c'est pas un massage. Là, je vais vous laisser deux secondes pour. Elle arrive en arrière de moi. Elle m'enlève la robe de chambre. Je suis là, les deux seins à l'air de maillage. Elle dit, ben, étends-toi. Là, je m'étends. tu sais, quand ils demandent de virer de bord, puis sont tout le temps un peu discrets, là, mm -hmm. derrière le drap, comme faites attention. Elle, elle, genre, enlève la couverte. Elle fait juste te mettre sur le dos. Elle masse les seins. Tu sais comment? Ah, Tom, hein. Ben moi, j'ai fait. Moi, j'ai fait. Non, mais. On s'en est parlé après, puis. Au début, tu, tu crispes, C'est <laughs> comme ton corps, ton corps se redit, puis là tu fais C'est super pratique courante ici détends toi. Ils font ça à tous les femmes de partout dans le monde et entre elles aussi. Elle en ce moment n'est pas dans un malaise. Là, fait ça ne te sert à rien, laisse-toi aller. Super bon. Wow! C'est super bon. J'ai adoré ça. Elle ne s'éternise pas non plus, oh, puis mm -hmm. elle ne te pince pas les bouts non plus. C'est vraiment à passe. C'est santé, J'ai jamais eu la peau aussi douce. J'ai d'ailleurs tout acheté les produits oh, wow. qui ont fait. Je me suis fait hier. T'as-tu euh, acheté ben, le. le, le... Touche, touche à ce pot-là. Ouais. Oui. Mais t'as-tu acheté le savon? Oui, le savon noir. avec le, le gant de crin. Oui. Puis après ça, tu t'achètes un exfoliant qu'on s'en fout pour fa... quand tu fais le gant de crin. Puis après ça, c'est de l'huile d'argan que tu mets partout ouais. sur ton corps. Wow. Ça, c'est le best. C'est fou. L'huile d'argan d'un cheveu, l'huile d'argan, c'est des rois, même de. Hey, ils ont tellement des belles peaux, les Marocains et les Marocaines. Ouais. Des beaux cheveux. J'ai capoté. Moi, j'ai vraiment adoré le peuple. Sauf que... Puis après ça, on tombera avec le Portugal, parce que j'étais au Portugal. Mais le, 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 le Maroc, en passant, je juste dire, c'est probablement le pays… Moi, comme… Ouais, au été, départ, cuisine exceptionnelle. Oui, mais, mais c'est incroyable comment… Puis il faut le vivre, là, comment l'accueil et euh, oh, Comment on dit déjà? L'accueil, le, le, ben, en fait, là, accueillir, à quel point c'est viscéral dans leurs valeurs. Ouais. Oh, c'est le, aussi dans l'islam. Non mais, les mais trangés, genre c est, c est faut, faut, faut le vivre pour le comprendre là, parce que tu on se dit au Québec on est bien accueillant mais t'es comme oh le Maroc non non le Maroc c'est c'est next level ben, là, si là, vous quand. voulez le vivre mais toi t'as pas l'argent pour aller au Maroc pour savoir ça va chez un Marocain refusez euh, ah un ouais c'est ça là non, non, non mais c'est pas c'est la tablée a aucun sens euh, c'est euh, non puis puis c'est comme moi j'ai des amis mais j'imagine Algériens aussi Ouais, mais bah, non, mais pareil, En tout cas, quand tu parles aux Marocains, des Algériens, c'est comme deux. Comme Québécois en ouais, saint Sainte-Amab, Sainte-Julie. Je, je sais pas, mais, mais <laughs> j'ai pas, pas été en Algérie. Par contre, j'ai broyé ma vie quand j'ai vu l'Algérie à Merzouga, une histoire. Tu vois le plateau algérien. Puis là, genre, j'ai pleuré là, pendant je sais pas combien de temps. C'est fou, hein? Ben, c'est parce que c'était la première fois que, premièrement, je voyais l'Algérie après m'en être fait parler toute ma vie. Ouais. Puis, deuxièmement, j'étais comme fuck, non seulement ça, mais c'est la première fois que quelqu'un qui porte le nom de La Rue revoit l'Algérie en 60 ans. Pour, pour ceux qui savent pas c'est sont Nouveau, t'as de la famille qui vient d'Algérie. En fait, était, mon, qui mon père. Qui Oui, en, en gros, c'est ça ce qui est arrivé en 62, puis personne n'a jamais revu <laughs> ni remis les pieds là-bas depuis 1962. Puis, ouais, c'était comme Il y a beaucoup été... d'Algériens au Québec quand même. Oui, je Plus sais. Plus que mais... de Marocains, je pense. Mais mon père est comme pied noir, fait qu'il est comme du mauvais côté de l'histoire, fait on s'en ah, rend ah, pas ah, bien. Ah, ben, ouais, mais, euh, mais. Mais par contre, l'inégalité homme-femme. Il faut qu'elle existe encore un peu, juste, juste. Je, mais je me suis de... jamais senti en, 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 en danger au Maroc non. ever. Les gars sont gossants oui. dans les soucles. c'est genre oui, comme mais gazelle, gazelle. Ils m'appelaient gazelle moment donné, J'ai fait, t'es tu correct? Ils font leur job là, puis je comprends, donné, Mais ils veulent ça. vendre, ils veulent je faire des sous, ça. ils veulent nourrir je leur je famille. Sais. Non, non, pour vrai, oui, c'est comme, c'est leur façon, c'est d'être agressif et agressant, mais agressif pas genre violent, juste comme ils veulent achètes. Ils vont aller te chercher. Tu sais, il y a les deux chandails dans deux c'est le même de la... les, les deux vont s'engueuler pour que ça, le moins cher et quand... ne doute pas c'est de la qualité et ce n'est pas de la contrefaçon. Ne doute pas. Jamais. La, la, la petite sacoche Gucci à 30$, c'est une vraie. Une vraie. Moi, j'achète un sac marocain, mais ça sent encore le calice de cheval dans, chez nous. Mais c'est ça que ça sent fesse. <laughs> ah, OK, OK. C'est ça. OK, c'est ça. ça, ça okay, dit Je comprends, les sacs de ça Oui, sent Ça le, sent la maroquinerie, là. Ça, ça sent ça. ça, ça. C'est fait en peau de je ne sais pas quoi, mais ça sent. Ça sent un sac à main cheap. Non, ce n'est pas cheap, au contraire. Ça sent comme l'écurie. avez vous acheté des oui. Les sels, les selles, non. Les oh. selles, les selles, euh, mettons, il y a beaucoup de selles ouais. euh, euh, que, pour des selles anglaises, pour les chevaux. Ouais. Le ça, ça sent les selles, mais sent... pas les selles qu'on pense. Ça sent le cheval. Je non, crois. mais ça, ça sent le cuir comme ouais. pas traité, je sais pas Oui, oui, Moi, j'ai comme... mon sac. Euh... Mais ça sent fort. Pis... elle eh, était oh, agressive dans le char au Portugal, elle était comme ton calice de sac sans la mort. Mais écoute, c'est vraiment… C'est un vrai. le... gros sac Ouais, mais il un beau gros sac en cuir jaune. Puis il va être bon jusqu'à la fin des temps passants. Il était cœur. Moi, mes parents ils nous ont acheté un en impeccable à ce jour. Ouais, j'ai payé, mais j'ai payé pour. Euh... Mais c'est correct, parce que, tu sais, la vérité, c'est que les grandes compagnies de luxe, là, ils, ils vont à fesses. Puis là, après ça, à fesses, c'est comme, comme, fesse. comme les tapis, en fait. C'est que dans le sens où tu as des tapis de, de première qualité, puis as des tapis de moins bonne qualité, puis c'est la même chose avec le cuir. Fait que les compagnies, genre LVMH, les grands groupes, Curric, ils vont là, ils prennent, ils prennent le meilleur mais oui. cuir, mais ça vient tout de la même place. Ouais. Fait que si t'as payé cher, t'as probablement le même cuir que sur un sac Chanel. C'est. Probable en fait, c'est ce yeah. que je veux dire. Il y a, il y a une compagnie euh, qui s'appelle Babasouk. Babasouk. C'est une fille qui, a, qui fait venir des tapis marocains. Oui, oui, oui. oui. Que, si vous voulez, mettons, tripez sur Les tapis euh, marocains, tant sont ça. Qu tant qu'elle le fait venir, ça va, avec les douanes puis tout le, 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 ouais. le shipping, ça va revenir au même prix qu'elle a le vent. C'est pas donné, mais crisp. Mais c'est moi, j'en ai de... trois chez nous des tapis. Ben, Babasouk. C'est pas, pas ça pour. Ma... En fait, je dis ça simplement parce que les tapis marocains, comme tu dis, est, est ça peut être vu comme un investissement. Sauf que, un, spectaculaire, deux, qualité, puis trois, non seulement ça, mais ce qui est vraiment cool avec les tapis marocains, c'est que, ben, j'avoue que je ne connais pas Babassouk, mais en gros, c'est un art traditionnel, je ne suis pas sûr millénaire, mais border millénaire. Puis en fait, c'est que très souvent, puis que dans les sucs, c'est ça qui arrive, euh, ben là, après ça, c'est sûr qu'il y a de la crosse, là, mais je veux dire, l'image qui te donne puis dans, dans des fois quand tu es dans les magasins authentifiés genre c'est ça que tu vis cher. mais c'est que en fait c'est c'est vraiment dans les villages ils font ça pour vrai fait que tu fais vivre l'industrie d'un village en fait c'est une microéconomie ouais. fait que c'est si... comme c'est comme en, en fait oui c'est c'est cher mais quand tu vois le processus d'importation, de la conception d'importation l'importation, que ça part du berger ouais, qui ça sera jamais bouton. le le, 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 faux, le, le, ta... hey, le faux tapis marocain du Ikea, c'est ben pas le tapis ça. marocain que t'achètes le Non, puis c'est bon à vie, puis ça se lave à peu près tout seul. Ça demande un entretien tu sais régulier, quoique. que. Puis dans le sens où, nous, on était là-bas, fait qu'on en a profité parce que c'est vraiment moins cher. Ouais. Là. En fait, étonnamment, là-bas compris importation c'est aussi cher qu'un gros tapis Ikea pas de joke mmh. Mmh. non non fait ça. que ça vaut vraiment la peine d'encourager de, bon 500 pièces pour un prix de beau tapis là. non non qui va durer la vie là. mais pour revenir à l'inégalité moi je ne l'ai pas senti quand j'étais là bas tant que ça mais c'est quand je suis arrivée à l'aéroport Eve puis moi on a j'ai failli elle, il a vraiment fallu que je, que je me parle puis Eve aussi là quand arrives à l'aéroport pour passer les, euh, les détecteurs de métal ils font une, une file pour toutes les femmes ouais. et le nombre de fils que tu veux pour les hommes. Wow, Ça fait que les hommes tu vois, passent directement. Puis okay. t'as plein de femmes en ligne qui attendent 45 minutes avec leurs enfants d'un bras pendant que leur chum, eux, prennent café. l'autre bar. C'est vraiment genre. C'est là que tu vois pourquoi? que c'est mal fait. Non, mais c'est pourquoi parce que tu avoir plus de café pour vrai. Puis c'est du thé en plus. C'est es là... sucré de galère. <laughs> T'es à la menthe Ah moi j'aime pas. Ben, ah, T'as pas aimé T'as ben, ai... aimé le, le spectacle qui... Ben oui évidemment. Ah, le spectacle ah, ça te montre, ça t'élève ça haut. Oh. Euh, tu boxe Mais attends, attends. Qu question. Tout, es rendu à la boxe okay, Du vous à au okay. okay. jardin Majorelle, à non. Marrakech. Vous non. avez visité trop. Non malade. on avait une, on avait le e coli. Ouais. On sortait ouais. d'avoir de chier sur la fille qui nous massait. Ah je comprends. A quand elle était rendue au massage du ventre Oh J'étais à côté de en plus. Ah non non mais. J'ai vu au Mexique c'était pas le fun. Puis après ça, j'allais au Portugal. Oui, good. Euh, puis on est parti quatre jours Où au Portugal. Ça? On a fait Lisbonne, puis, euh, puis la que gosse. Ça monte. Euh... Hey, t'étais à la fesse, puis la gosse. <laughs> mais. ça, mais ça je... sent... pourquoi c'est mon problème? Je rien dit. Ça n'arrête sent... pas de rire à la Ça fesse sent le depuis... testicule à ouais, la gosse. C'est ça, ça sent les gosses à hein, la gosse. Mais en tout cas. mais, mais... Non, mais l'avion Marrakech-Lisbonne, euh, c'était 100$. 100$. Wow. Fait qu'on a fait bon, on va aller pour un petit 4 jours là, puis on va revenir après. c'était comment le Portugal? toi, tu sais, si t'avais un pays à sauver entre le Maroc puis le Portugal. Choisis, go! Payé, un, <laughs> deux, trois! C'est Mar Maroc. <laughs> fait que... Moi, j'ai fou aimé le Portugal, je trouve ça vraiment ben oui. beau. Mais on dirait que c'est comme si après toute cette affaire-là, j'avais l'impression d'être comme. En Europe. <laughs> j'étais genre mais bon, c est, c est je suis dans un une ville concept, européenne. Ils ouais, <laughs> sont quand même dans l'Union européenne. Non, mais, je sais, mais, non, mais vite, j'ai fait. À Lisbonne, Eve était comme. Oh, je comprends. On, a, on est partis en char. On, a fait, on descend à la gosse. On mais avait le goût là, de faire du kayak dans des grottes. J'ai un ami pis... portugais, mais j'ai dit ça quand j'étais allé au Portugal. J'ai compris pour compter les meilleurs navigateurs. Parce que le Portugal était réputé pour aller. Le Portugal, c'est une place où. Est non, un non, mais, pour mais pourquoi il a compris Qu'est-ce qui a fait comprendre ça Ça m'intrigue. Tu veux t'en aller. Ah, oh, tu veux t'en oui, Mais c'est full beau! Ah oui? C'est vraiment beau! À la gosse, t'es malade mental! L'eau est extraordinaire! Les Portugais sont-tu gentils en fait? Full! Full! Puis moi, j'avais hâte! moi, ça là, ça va vraiment paraître un culte, mais on était comme. Ça ressemble à quoi un Portugais, tu sais? La moyenne. Oh, oui. liste. Non, mais la moyenne. Oh, non, mais salut! La moyenne. Comment dire je viens de la Gaspésie profonde sans dire que je viens de la Gaspésie profonde? Non, Louis, mais. Tu veux c'est quoi? Non, <laughs> mais dans Portugais. le sens que, tu sais. Il y a Google, je connais. là. des les Portugais. Non, mais je connais des Portugais, mais je me disais, il y a-tu. sais, si tu comme <laughs> vraiment, genre, mettons, c'est tous des gars quand même ou des femmes avec les cheveux foncés, tu sais? Ben oui mais vraiment là là j'étais là on marchait puis j'étais comme hey, tu vois ça c'est un portugais là j'étais capable de les... c'est génial non mais Chris parce que ici au génial. Québec non mais attends la chose attends. la plus habitante que j'ai jamais entendue de ma vie c'est mais... extraordinaire quand es, quand t'es pas quand, es, quand es voit pas en masse moi à Montréal je marche à Montréal je croise un portugais je me dis pas ah voilà un portugais là? pour vrai commence à faire ça pour vrai je te souhaite un point hey, mort, si pour vrai là ils peuvent non non mais ils peuvent avoir les Sud Américains peuvent ressembler à des portugais ben oui, ben c'est normal, ils ont colonisé l'Amérique ouais, du Sud. C est, c est, ouais. Tout est logique. À, 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 Vasco oui. de Gama ou Américo Vespucci, dans ce cas-là? Vasco non, mais, de Gama. C'est Vasco le Brésil, de Gama au Brésil. Le, Brésil, c est, c est, le, Brésil. Le, le prochain de prince, ça va être le colonialisme. On va t'expliquer plein. Là. Non, mais j'avais hâte de voir des, plusieurs Portugais ensemble faire comme... Ok, okay c'est ça, les, les, les traits communs, mettons, toutes les... Mais pas et je, trouve, je, trouve, je les trouve euh, très, beau. très sexy. Là. Ben oui. Les, les, pour vrai, les, les Portugais, mais les hommes sont... As tu dire, déjà vu 80... les hommes j'ai vu Gabriel joueur de Fréter. Bon. Ben, il... Très bel homme. Tu sais, excuse-moi, mais. Complètement, comme... complètement portugais, là. Ouais, complètement portugais. Ben, tu sais, je veux dire. Complètement portugais. Complètement portugais. C'est comme l'archétype. Tu te plais montrer euh, à tout le monde. Louis. Louis... Ben, là, je... as le. Tapé là... Louis Figo. Genre, ben, en, ouais, en ce moment. Vous... En chars, le monde. En ce ben... moment, vous, là, les deux gars qui connaissent d'autres sur la planète puis sont capables de parler d'affaires d'histoire d'autistes, Genre, que tu te rappelles de dates, tout. Moi, dans ma vie, Jamais, j'avais jamais vu un tas de Portugais ensemble. Puis faire, <laughs> faire comme, OK, c'est ça les traits communs. Hey, hey, T'es un peu weird, mais nous, on est des astuces, parce qu'on n'est pas contents. Un je... tas de Portugais ensemble. Non, mais dans la... des, lo des locaux ensemble, là, tu, fais comme, tu fais comme, OK, ils sont, ils sont tous quand même brun foncé, avec un beau teint halé. Tu sais? me disait, y a -il le, le, des visages très euh, très très en fait angulaires visage... comme angulaire. des, des, des traits pointus tu sais c'est toute crise on, à 36 ans je grandis encore non non mais c'est incroyable beau, mais ça. un tout portugais mettons les québécois tu les qualifierais comment mettons ça ça m'intrigue parce que les québécois je trouve qu'on n'a pas des traits hey, n'importe où je vais au québec traits. mais euh, dans le monde là je fais ça c'est des québécois ouais. Oui, mais ça, c'est parce qu'il porte une un chandail des Canadiens où ils craignent. Non, non. C'est beau euh, ici. Le, le visage, le visage. C'est quoi, le visage. quoi, que, quoi les, les traits québécois? Ça m'intrigue parce que t'en okay, as réponse, vu, ah, vu attends, des tas Québécois. J'ai vu des tas de Québécois ensemble. J'ai une réponse pour toi. C'était était un truc qui était viral, qui a mal viré. Là. Vraie... Fait, fait qu'on va le reprendre sur Oui, vrai... parce que je trouve ça très drôle. Des traits québécois, tu te rappelles, il y a Epstein. Tu te rappelles d'Epstein? Oui. On parle de même. Il y avait. Ça part de qui s'appelle. blonde de Guylaine Maxwell. Elle a des traits québécois. Je suis pas d'accord. Je comprends. je suis tellement pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord. Un québécois. Diana a des traits québécois. Diana, la princesse. La princesse, je comprends. Je comprends. Mais non, elle a une coupe pas ses date. Enlève la coupe. Elle a pas des traits québécois, Diana. la coupe, alors. La coupe de cheveux. Elle est très québécoise. Fait que comme, t'as peut-être une. Tu sais, Guylaine Maxwell, les photos qu'on a d'elle, c'est la coupe de cheveux. Fait les traits québécois, c'est une coupe de cheveux de keyfers, là. Ouais, c'est ça un truc. C'est pas ce que j'appelle un trait. Non, 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 non. Nous, on n'est pas Nous, Il n'y a pas de trait typique, je pense, plus que de. Euh, on une est... attitude, une ambiance, une vibe. Ah, la vibe, c'est. Il y a quoi dans, le visage, la, y a dans vibe, le visage? La vibe, ça, je suis d'accord. Comme moi, quand je marche ailleurs, Puis, puis tu je, vois des tots de québécois. Je, <laughs> je, non, mais des fois, je le sens le Ouh, lui, c'est après moi, c'est un... C'est un Nord-Américain, ça c'est clair. Ça commence tout le temps de même. Tellement. Là, tu sais, ou d'après moi, il est québécois parce que c'est comme dans sa façon de regarder les choses. Moi, c'est là que je le remarque comme. Ouais, il y, y, y a une dégaine. Il y a une dégaine aussi. C'est ça, les Français. Moi, je suis pas tout de suite. Ça, c'est euh, parce qu'on tout le temps du linge que je fais. Ouh, mais comme euh, tous les Français pensent que tout leur appartient. Mais les Français, ben, non mais Français, une... les Français, pour vrai, plus, le... plus droit, moins volubile. Oui, a moins... souvent un sac choix Fucking lait et des souliers au cas fucking lait. Eh, on laid, es mais... en train de généraliser. Non, là, non, non ça on peut, on Vraiment, je suis français, on fait que j'ai le droit de placer ouais, mon propre peuple. Mais, comme... mais, mais, mais moi, les français, j'ai les spots parce que souvent, je les vois aux souliers et au fait qu'ils ont l'air de touristes, comme avec d'aller au Machu Picchu, qui soit Machu Picchu ou au cœur de Séoul, même soute. Mais, mettons, mais c'est vrai. <laughs> T'as tout à fait raison. Mais, mais les Québécois, je trouve qu'il y, y a comme. C'est la vibe, mais les traits, Moi, je t'ai dit, je les spot. C'est épeurant euh, juste comment j'ai les spot. T'as un cil dans le visage que je vais retirer. <laughs> Puis, faites un vœu. Poursuivons. Ah, il n'y a pas eu de vœu. Fait que les Portugais sont beaux, les Québécois, sont, on les voit de suite. suite, ah, suite, 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 suite. suite Ay, moi, là, je te le dis, je fais comme. Dans le que tu reconnais plus les hommes québécois ou les femmes québécoises? Moi, c'est les totes québécois. Mettons trois couples ensemble qui marchent, ils sont là, ils sont à Lisbonne, donc là, là ça là, regarde, là, je fais normal, comme ça, c'est des Québécois, sont qu en, en, ils sont de J'ai appris qu'aux États-Unis, ils savent c'est qui les couples qui jouent au golf ensemble. Parce qu'aux États-Unis, les couples qui jouent au golf, ça n'existe pas. Le golf, ça se joue juste entre hommes. Des boys. Quoi? Ouais. C'est une manière de quitter sa famille, c'est un sport qui dure six heures, effectivement d'avoir une pause de six heures à sa famille. Quand ils voient des couples ensemble, ils font deux Québécois ou deux Canadiens. Parce que c'est un trait canadien-québécois de jouer au golf en couple. Puis... puis là, je vais apporter quelque chose d'autre, puis là, je ne veux pas là, sonner, là. puis je veux vraiment <laughs> essayer de comprendre. Là, on, on a-tu le droit de dire Première Nation encore? Je sais pas, moi. Je suis pas bon là Première terre. Nation. Dire... Les, dépend, les, premiers, les premiers habitants, le, fait, le peuple… En fait, le ça... peuple... mais ça dépend, ça dépend, parce que les Premières Nations, les Inuits, c'est pas considéré… Tu sais, comme dans le sens où les Inuits, c'est les Inuits, puis encore là, je ne suis pas sûr qu'il faut dire Inuit, là. Jusque, as une, pas de bon hein, je sais plus j'ai une méconnaissance tellement... ouais, on, absolue. on est pas dans, le méch dans la méchanceté ben non ben non au contraire mais, je... mais mettons, comme quand je parlais des mexicains tantôt dans tous les peuples t'as comme le, 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 la physionomie des premiers arrivants puis t'as la physionomie de, des, des, des colonisateurs, colonisateurs. puis c'est oui. le mélange des deux je trouve ça vraiment intéressant maintenant. Ouais. C'est quand même spécial, tu fais ah OK, je comprends, tu vois le tu vois le, 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 la génétique ah, les Ouais. Ça, je, 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 je pour, quand je voyage, j'aime bien ça euh, voir des, des tas des, des tas, tas ça, ensemble des puis tas. faire comme OK OK. Toi qui check des de tas, exceptionnel. Non mais tu sais sont tu fait, fait tard, quand ils parlent fort quand ils sont en groupe. Euh... Quel groupe n'est pas fait tard Tous les groupes sont faits tard. Oh non, je pense qu'il y a des peuples qui ne sont pas là. Qui ben là, je sais pas. C'est ça. Tous les, les peuples, ils ont un côté fêteur. Toutes les, toutes les, les, les... Mais Ils fêtent pas pareil, par contre. Oui, oui c'est vrai. Ça, Mais il y en a qui Différent. crient. Il y en a qui a... fêtent plus longtemps. Mettons, la réputation des, euh, des Mexicains, c'est que leur fête dure vraiment, 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 vraiment longtemps. Ils ont une Puis capacité. La ré... Puis la réputation des Anglais, c'est que ça fête vraiment pas longtemps. Et mais tabarment. à 10h30, oui, parce qu'à 10h30, ils sont couchés dans la rue. Non, non, non ils se battent dans la rue. Comme moi, j'ai vécu ça. Oh, si tu fais à Liverpool un oui, C'est de la bataille. Non, non, c'est pas une oh, joke. À Liverpool, il y a comme une, une place centrale. La, la place la plus sodome et okay, que j'ai ça ça, ça ça se pacte la face. Là. Attends, attends, attends. C'est que les Anglais, les pubs, c'est une culture là-bas. Là. Ouais, puis les le, riches, les pauvres. Là, le, le, tout oui, le c'est ça qui est incroyable. Puis t'as des pubs de riches, mais globalement, c'est une mixité sociale absolue. Puis à Liverpool. Je ne me pas comment, ça fait quand même. Euh, c'est en 2009 que l'histoire que, que je raconte, mais il y a une genre de place centrale. Puis moi, pour aller à mon auberge de jeunesse, je devais traverser cette place-là. Puis c'est comme, comme un peu euh, à AGA, des festivals, là, des meurtres, tu tu as comme des, des ruissellements de monde qui, wow. qui se créent pour traverser la foule. Puis j'ai vu, de, de mes yeux vus, mais comme devant moi, quelqu'un juste frôler quelqu'un tu sais comme il a trébuché ça a... finit en coup de poing d'enfer face il a donné... ah, à le de gars, de il s'est ou the fuck pow il l'a knock si... c'était juste un fait qui... est-ce que vu ce que les... c'est comique là-dedans ça arrive au Québec c'est non le mais là-bas tout le monde s'est arrêté oui coup de poing c'est ça qui arrive Oui, oui on continue pis, ça la meilleure affaire, affaire c'est que j'arrête au Mcdo euh, avant d'aller à mon auberge et là j'ai vécu un choc de de l'exotisme de la débauche puis là mais, mais non, mais là, j'ai vécu un vrai choc parce que... C'était la, la fermeture des pubs. Fait que tout le monde est torché mort. Ambiance de McDo à 3h ah, du, oui, oui. oh, du matin. Puis tu dis que c'est 1h30 du matin. 9 h quart Non, non, non mais, il était, non. mais il était quand même proche de minuit de mémoire. Mais c'est qu vrai qu'il était pas de okay, 3h. Fait que les Anglais se défendent ben, Défense, oui, oui. Vite fort. oui Puis ils se couchent. Ah, oui, puis ils, ils ont, ont un regard chant. Oh. Autant la journée, ils sont super proper en général. mais ben pas tous. Là, mais mettons, tu vas dans les grands centres. Autant la journée, ils sont super proper, bien habillés. Puis dès qu'il y a mean un drunk. chiffre. drunk. Ouais, drunk. Dès, dès qu'il y a un chiffre. Ils veulent se battre, s'obstiner. Ouais, ils te ouais, pis... regardent l'été. T'aurais pas les yeux, regarde l'épaule un peu. Non, non, non mais ben là, on, on généralise. Mais moi, ce que j'ai vu, puis le, le choc que j'ai eu à, à, au McDo à, quand, quand tout le monde est torché, c'est que, tu sais, quand tu vois au McDo à 3 h du matin au Québec. En général, c'est du monde d'à peu près dans la vingtaine, 18 à 23, 25 ans. Non, tu vas pas me dire que c'est des 50, 60 ans. Ah non, c'est trois générations Génial. qui sont torchées au McDo. <laughs> Génial. J'ai vu grand-père, père, mère. Génial. Euh, J'ai vu trois générations familiales être torchées au McDo, puis s'engueuler en se lançant des frites. Puis pas genre, ah, tu te dis, ah ça c'est les sauvages. Non, non. Comme plusieurs familles, de, avec donc plusieurs générations, étaient torchées raides au McDo à la fermeture des pubs. Incroyablement exotique pour moi à ce moment-là. C'est ça, c'était tu le voyage C'est Un de leurs jeunesse? plus grands politiciens, c'est Churchill. Puis Churchill, ouais. il, il buvait était, à 9h le matin. Ouais, il était puis tout le monde toi à l'aise. Ils ont inventé un ça. verre. Churchill, c'est incroyable. Churchill, ils ont inventé un verre. Pour qu'il puisse reposer son cigare sur son whisky, sur son scotch, en fait. C'est tellement, quand un, il est est tellement quand nice il est venu, pour euh, C'est super. Puis quand, il voy... Duff, oh, quand il a voyagé aux États-Unis, okay, c'est la prohibition, il y a un médecin anglais qui a signé un papier qui peut ouais. boire d'alcool aux États-Unis. c'est quand même Ça, c'est quand même vraiment nice. <laughs> Genre, lui, il est arrivé et il a vrai, fait ouais. comme qu'on me ouais. un whisky, je me rappelle Non, 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 mais il hum. était sous. En fait, il a fait la guerre. Oui, comme c'est un alcoolique pour vrai fumait. puis, à travers ça, il a quand même été capable d'éviter que la guerre vienne chez eux. Non, la guerre est allée la, chez eux. Il y a eu la deuxième bombardements. Guerre, non? Oui, oui, il y a eu quand même ouais. les bombardements de Londres, là, qui ont quand euh, même... Pendant Londres, les gens vivaient dans le métro. Oui, en fait, c'est-à-dire que à tous les jours à Londres, ou presque pendant les bombardements, il y avait l'équivalent du 11 septembre qui se passait niveau mort. Comme ouais. la bah, ville ouais, a non. été bombardée <laughs> par les, la, la Luftwaffe. Puis la bataille d'Angleterre, en fait, c'est ça, c'était c'était le grand plan d'Hitler qui était, est-ce que j'envahis l'Angleterre par un débarquement ou... Et là, c'est Göring, en fait, qui est comme le grand chef de la Luftwaffe, qui est un grand héros militaire allemand, a dit: non, 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 on va m'en occuper, on va bombarder Londres, puis là, après, on va rentrer l'armée. Sauf que le problème, c'est que la RAF est quand même une armée de l'air incroyablement performante, qui est arrivée au bon moment avec ce qu'on appelait le Spitfire, qui était un avion, un chasseur qui a surpassé les Messerschmitt. Puis ça n'a pas marché en fait. Puis ça c'est une des grandes défaites du d'Adolf ben, Hitler parce ben, que c est c est ça, qu il, qu il y a eu un shift que... à ce moment-là parce que en fait Hitler en fait le, après ça ils ont été en Afrique pour aller reprendre tout, tout, toute la Corne Afrique, ben, tout, parce tout le, le, Maghreb. Le, le, le but euh, au début de la guerre euh, de la guerre mondiale c'était avoir les colonies africaines. En fait c'était les colonies africaines mais pour les ressources et D'où aussi l'invasion, c'était pour avoir l'essence et tout. Puis, puis là, il est, en 1942, c'est vraiment un point tournant où la bataille d'Angleterre, c'est en 1940, mais ce que je veux dire, c'est comme dans ces deux années-là, ces espèces de 18 mois-là, entre 1940 et 1942, c'est là où vraiment là, ça, ça le bord. gaz Ça vire Putain, prend... une guerre de territoire, même, ça me C'est toutes tout les guerres de territoire. Bon, c'est ça, okay. mais les guerres de territoire, de ressources, d'argent. Pas juste ça. Tu non, sais, mais ça, ça ça, pas de bon sens. T'imagines si on recommençait l'histoire de l'humanité puis on n'avait pas de territoire? Hum! Ça serait, on, ça serait savage, mm -hmm. On s'entend que ça serait genre... Ben, je pense que ça serait une anarchie totale, en fait. Ben oui, parce qu'il n'y aurait, pas, la, un gouvernement, il y aurait qui... pas un gouvernement oui, mondial. Mais la chose qui pourrait être brillante et qui n'a pas été faite avec les, la décolonisation, c'est le respect des territoires, disons, des, 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 des territoires communaux, en fait. C'est-à-dire que tu as, as une collectivité qui habite là. À la place, les, 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 les Européens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont comme fait... Ils ont mis Non, mais ils ont, mis, ils ont tracé une ligne droite. Je pense que c'est entre l'Inde et le Pakistan qui est comme un chef-d'œuvre. Si, si jamais il y a des gens, on en parle souvent, là, mais ça, c'est mon, 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 mon histoire chouchou. Là. Ça fait des millénaires qu'il y a des communautés musulmanes et hindoues oui, entre l'Inde et le Pakistan. C'est comme une. Qui se déteste. Ils se détestent. Mais c'est pas qu'ils se détestent, en fait. Non, mais c'est qu'en fait, c'est. C'est plus compliqué. C'est pas qu'ils se détestent nécessairement. Oui. Ils s'apprécient pas beaucoup. Non, mais c'est Mais c'est qu'ils ont ils appris à souvent. cohabiter à travers l'histoire malgré tout. Puis, mettons, tu sais, en gros, on va dire. On va dire que euh, t'as as, as une communauté qui habite Montréal, OK? Fait que là, tu te dis, on va dire, les francophones du Québec au complet habitent Montréal. Fait que logiquement, quand tu rétrocèdes à ton pays, donc quand l'indépendance arrive, tu dis, bon, bien, la communauté de Montréal, on va la garder intacte. Mais ce que les Britanniques ont fait, en, en, grand, en grand homme sensible, ils ont crissé une frontière entre les deux, tu sais, en plein milieu de là où il y avait une communauté musulmane, ce qui fait que du côté indien, à 12 km, en fait, je vais l'expliquer simplement, même si c'est un échec en ce moment. Mais en gros, c'est comme s'il y avait un lieu saint, mettons, à Laval, pour les Québécois. Puis le lieu saint, puis on habitait à Montréal. Mais notre lieu saint, il est à Laval. Fait qu'ils ont comme mis une, une, frontière. une frontière entre Laval et Montréal, ce qui fait qu'on ne peut pas y aller dans notre lieu saint, même si on le voit au bout du pont. Puis ça, ils ont fait ça partout dans le monde, les, les puissances européennes, d'où, en grande partie, la détestation pour l'Occident partout dans le monde, parce qu'en fait, ils ont scindé des communautés, ils ont scindé des cultures, ils ont, sans, sans, sans compter le mais, fait qu'ils ont pillé, Mais de quoi là? tu te mêles? Moi, c'est ben, en fait, ça qui non, Mais c'est pas comme, Hey, arrêtez de vous battre, ça, les petits gars. Arrêtez. Non, non, arrêtez de vous battre, les petits gars. C'est l'impérialisme. Moi, je y aller. Moi, je vais mettre de ton bord. On va tous tuer les autres, t'es ensemble, puis après ça. T'es aussi bien de m'en peu. un peu. Mais faut que tu, tu vois grand. ça. Faut que tu vois. Tu sais, j'ai été voir Napoléon que j'ai des, des critiques, on en reparlera. Mais il y a un aspect où c'était. Faut pas oublier, les familles royales, c'est une forme de mafia, en fait. Dans la mesure où dans la mesure où c'était on se partage le monde. Puis qu'est-ce que tu fais pour te partager le monde, en fait, c'est que tu fais des alliances. Comme dans le crime organisé, littéralement. Fait que tu arrives à quelque part, tu vois, c'est qui le king de la place? Toi, OK, toi, tu vas m'aider à tout limiter. Toi, tu vas, être, tu vas rester le king, mais tu me donnes une cote, dans le fond. Puis moi, en échange, je te donne une protection. Mais si je comprends. Mais, mais le merde. pire, après ça, l'exploitation, le vol des, des ressources, le vol de la culture, parce qu'il y a des artefacts culturels importants, significatifs, ça, c'est épouvantable. Le pire, moi, je trouve, c'était l'espèce de whitewashing qui venait avec ça. C'est-à-dire que tu, tu te fais non seulement. Et tu te fais déposséder de ta propre culture de ton identité viscérale, Bien, juste ici, ta langue. C'est un massacre qui se met à pic la deuxième guerre. Tu si sais. mm -hmm. on arrivés ici, tu me qu'ils ont pas à coup de hache là, tu, sais, de... tu veux dire les Européens Ben oui. Euh, Nous on oui, était, oui. été... non non mais oui ça c'est un fait c'est épouvantable. Non, non mais, je tu sais, veux dire... mais mettons, moi quand, quand j'ai vraiment réalisé que ça ça avait existé pour vrai, j'avais super honte. Ah, mais tu sais et... comme ça vient avec un sentiment tu fais oh mon dieu c'est dans mes gènes c'est des, mais... des gens de, 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 c'est des gens c'est mes descendants mais c'est pas juste ça, c'est pas juste tes descendants, c'est carrément euh, tes aïeux. Ça peut être littéralement des grands-parents parce qu'il y a des histoires relativement récentes. Je veux ouais, pas dire les, les années 70, mais je pense. Là, ouais, moi, j'ai croisé mais... quelqu'un. Moi, j'ai croisé quelqu'un. Une femme. Euh, elle avait était un peu plus vieille que moi. Je pense qu'elle avait une quinzaine d'années de plus que moi. Elle euh, son histoire est épouvantable. Elle, elle vient du Nord. Je pense qu'elle a grandi dans, à, à quelque part comme ou En tout cas, un lieu où malheureusement, il n'y avait pas de. Pouvernitouk, il y a un hôpital, mais il, un lieu où une, 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 une collectivité dans, dans le où il n'y avait pas d'hôpital. Et euh, sa, sa mère, une histoire genre, elle a de la fièvre. Le bébé a de la fièvre, puis tu sais, les ressources dans ces années-là, c'était pas facile. Fait qu'il y a transfert à l'hôpital. et Le bébé a disparu. Et le bébé, c'est elle. Elle s'est faite adopter par une famille bienveillante et tout. Mais. Ce que je veux dire, c'est ouais, le, le système enfin, québécois a volé un bébé à une mère. Et ce n'est pas un cas. Là. Oh, ouais. ça fait pas un genre... fait divers. Ce n'est pas, pas, pas en 1923. La télé est en couleur. Oui, oui. Comme <laughs> Bernard de Rome oui, faisait oui. le téléjournal dans ce temps-là. Puis Non seulement ça, mais je veux dire, là, elle a été chanceuse elle est tombée dans une belle famille aimante. Mais tu te, fais, euh, tu te fais enlever. Mais sauf okay. que, je veux dire, tu peux tomber dans n'importe quelle famille dégueulasse. On, ta, on tasse des gens. Quand je vais. Ben, nous, on tourne à Maniwaki à chaque année pour le, les génies de la vitesse. On tourne à la, à la piste de, ouais. de, de, de l'aéroport, finalement. Puis il euh, y a 30 pancartes, genre Missing Woman, mm -hmm. Missing woman. Ben, oui. Puis nous, Absolument. ici, on n'en parle pas. Mais t'as-tu entendu les histoires des policiers à Val d'Or? Il y a comme. Euh, 5-6 ans, 7 ans. Mm -hmm. Ouais, c'était quoi ça? mais ben, qui amenait les filles... Ouais. Il, y euh, y il, il faisait... les, les met dans le bois, ils font ce qu'ils veulent avec. Des fois, il les tué, des fois, ils les laisse C'est horrible. Oui, 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 Tu sais, oui. ça, je veux dire, c'est il y a 7 ans, à Val-d'Or. Ouais. C'est des gars de la SQ. Comme, tu vois-tu le niveau de, permis... de permissivité pis la gravité? Non, mais moi, j'ai un ami qui me dit dernièrement, pis je me dit, je sais pas si c'est toi, Phil, mais je pense pas. Quelqu'un qui me dit, tu sais, mettons, sur la planète, on est 8 milliards. Okay. Là, prends, pense à la moyenne. Tu sais, mettons, l'humain moyen. Dis-toi que 50 de ces gens-là sont en dessous de la moyenne. Ça fait beaucoup de gens pas fins, pas. Tu sais, qui sont, qui sont prêts, qui sont pas nécessairement de éduqués, qui peuvent. Euh, venir de... Et quand tu parles de moyenne, tu, tu fais référence à quoi? Ouais. Ouais, je t'ai dit, il y a 8 milliards, mettons, l'intelligence... Ah, l'intelligence! Ah, je la... pense pas, moi, que c'est plus que la moitié. Je pense pas la moitié. Je pense que la moitié est dans la moyenne. Moi, je pense que c'est, mettons... Euh... Tu peux être niaiseux puis pas être niaiseux. Non, hein? ouais. non, non, mais je veux dire, il y a une moyenne... Non, mais je fais juste dire que, mettons, les, les... la moyenne très, 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 très faible... Là. C'est des gens qui comprennent pas justement le gars de la SQ qui est comme Ah oh, tu m'as écrit, ça m'a violé puis Mais là, non mais ça va fermer sa gueule parce que c'est une... oui, non Oui, mais là c'est le système en fait qui permet ça. Ça, ça veut dire que le chef de police... Parce que le trois-quarts des gens comme ça comprennent la répression. La preuve, ils sont policiers. Fait que si tu ne crois pas à la répression, puis si tu ne crois pas à l'intervention, puis si tu ne crois pas aux lois, mm -hmm. je vois pas pourquoi tu es non, policier. Si, moi, mais si tu n'as pas d'empathie, puis que… Ben, D'abord, peut-être pis... que tu devrais pas être policier, que parce que… tu sais que pas c'est quoi, quoi la différence entre le bien et le mal, parce ben, que… Ça, ça veut dire que c'est un problème si tu es une police, parce que je veux dire, si tu es une police, c'est normalement, c'est une acuité par rapport à okay. ces si choses-là. Tous ceux qui ben, sont tous les, les, les gens que je connais qui sont, sont dans un cégep où il y a une technique policière ont pas confiance à la police. <laughs> si tu as vu une table de jeunes policiers manger au cégep, tu fais Oh mon Dieu, on est dans le trouble. Ouais, mais pourquoi, ça, pourquoi tu vas être, oh tu sais, être policier Mais c'est pour ça que je disais ben que moi, la je crois moyenne. Qu y a des gens qui croient à la loi, qui croient à l'ordre. Il ouais. y, y a des policiers qui sont des Policiers très compétents, puis il y a des policiers qui sont vraiment bienveillants. En fait, je suis pas mal sûr même que si on fait une loi de la moyenne. Les policiers en général, ils en prend trois mauvais pour. Mais sauf les que en fait, des... tu Chris Rock il y a un numéro incroyable mm -hmm. où il dit à chaque fois qu'il y a un drame, puis il parlait des États-Unis, mais je pense que on, on peut répercuter fait ça aujourd'hui. quelqu'un. Tu sais, genre, il dit ah oh, c'est tu bad apples, c'est une pomme pourrie. Ouais. Non, mais il y a des domaines, puis c'est le point de Chris Rock. Tu peux pas avoir des pommes pourries. Non. Quand, quand tu es, es en position de pouvoir et d'autorité, c'est un truc qui pour vraiment t'assurer. Ça, ça joke, c'est qu'on n'accepterait jamais ça pour les pilotes d'avion. C'est ça, exactement. Ah, J'espère. C'est juste un, une bad ouais. apple qui a comme commis cette affaire-là. Ben, si on n'accepte ouais, pas pour les pilotes d'avion, pourquoi on pour les policiers? En même temps, ben, c'est ça. Mais c'est pour ça que je vous parlais de moyenne. Tu sais, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont en dessous de la moyenne, qui ne qui, qui savent pas mais faire des choix judicieux et qui sont. Moi, je pense que c'est plus une affaire de pouvoir. Ils ne sont pas bien. Ouais, parce que les, souvent, les gens qui, qui, qui causent beaucoup, beaucoup de mal sont très intelligents. Oui? En fait, en vrai, ouais. oui, parce que es capable de manipuler, puis t'es capable. Je comprends, de... mais, mais juste, mettons qu'on parle pas de QI, là, mais qu'on parle. Je veux dire, pour moi, t'es pas intelligent si tu fais du mal. Non, non, mais, mais en fait, t'es pas es sensible. Es sensible es mais... es beaucoup je te parle émotion... pas. Je pense pas. pas, pas ben, le... hein? Je pense que tu parles beaucoup d'intelligence émotionnelle pour faire le mal, parce que si as de l'intelligence émotionnelle, tu sais comment faire mal à l'autre, tu sais comment manipuler. Puis je pense que c'est plus une question de pouvoir, c'est que le gars de, de tu sais, le policier qui arrive à Val d'Or. Ouais, mais même en -dessous du pouvoir, l'histoire si sadique, là. Oui, mais ça c'est autre chose, ça c'est des Ça a de moins qu'on pense. Ouais. Eh que oui, c'est qu 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 ce qu'on on parle. Mais pensez-vous qu'il y a plus de bonnes personnes réelles sur la planète ou de mauvais... Moi je pense, moi je crois profondément l'empathie puis la compassion humaine. Je crois que ça c'est un trait qui traverse on non voit... seulement les peuples et les époques. Euh, je pense que je suis d'accord avec Phil puis un bon exemple de ça, à chaque fois qu'il y a un, mettons il y a un attentat terroriste on se dit, ah, il y a des mauvaises personnes. Il y a beaucoup plus de personnes qui aident mais oui. que de personnes qui viennent. Nuire. Ouais. À chaque fois qu'il qu y, qu y a un drame quelconque, un, un accident de voiture, un enfant mais perdu. Non, mais on le voit en ce moment. Là, je veux dire, personne n'est ouais. à l'aise avec ce qui se passe en Ukraine. Personne n'est ouais. à l'aise avec ce qui se passe en Israël et Palestine. Personne est insensible. À... En fait, il y en ouais. a peut-être, mais je veux dire, je pense que la vaste majorité des gens on est impuissant, ouais. on ne sait pas quoi faire, puis on se sent mal. T'sais, la vie, c'est une question de perspective. Oui, quand il y, y a un drame, tu peux te concentrer sur le drame. Oh mon dieu, c'est horrible. Tu peux aussi te concentrer sur tout, tous les gens qui mmh. aident, qui, qui mettent le la drame main à la pour peur. les aider. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, oui. il, y aurait, il y aurait plus, selon vous, de bonnes personnes, ou du moins des personnes bienveillantes, avec un bon cœur, puis peut-être qui sont euh, malhabiles puis qui ne savent pas comment gérer pense que y a ça. Une conviction. Moi, pis je suis oui, mais gens change. Puis, je crois aussi que la vaste majorité des gens sont bons, mais... C'est quand même, pour vrai, c'est pour ça qu'on les admire, c'est quand même courageux mettre la main à la pâte puis se mobiliser pour aider les autres. Ouais. D'une certaine façon, ça demande un, un, une part de toi mm -hmm. qui n'est pas facile toujours à aller chercher. C'est pour ça qu'on admire les bénévoles, c'est pour ça qu'on admire les gens qui font Médecins sans frontières, qui donnent de, pas juste leur temps, puis de, euh, de leur savoir ou de leur... Non, non, qui, qui donnent leur énergie, beaucoup d'énergie. Hein. C'est ça, pour une cause qui est infiniment exponentiellement plus grande que toi. Tu le sais bien, là, que t'es un grain de sable dans le désert, là, comme... Tu je veux dire, quand tes médecins s'enfrontent ça, tu te dis, je vais aller dans un camp de réfugiés au Congo, là... Puis je vais aller aider. Je trouve ça tellement cool. Je trouve ça tellement extraordinaire. Je veux dire, ces gens-là, là, tu fais... Ouais, ils auront servi à quelque chose dans leur... dans leur dans nos minables vies. Non, mais exact. Puis comme, tu sais, je pense que le pendant est aussi... Et, et, je sais pas comme. Tu sais, parce que moi, Puis là, je dis pas que j'ai cherché à avoir de la compassion. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce que. Qu parce que moi, là, mettons, les policiers, là, on est rendus à peu près au même âge, les policiers que je Puis quand j'entendais. Oui. Non, mais quand j'entendais les histoires à Val-d'Or, OK, j'étais comme. Attends, ces gars-là, ils ont globalement mon âge. On a grandi à peu près dans la même société. C'est pas genre ben mon ouais, grand-père, ben mon ouais. père. Non, non. Pas on dans grandi. la même région, par non, contre. Non, ben, mais peut-être pas, mais je veux dire, on a quand même grandi globalement dans la même société. À quel moment. Puis là, j'ai vraiment cherché à quel moment ça dans ma vie… – Ça dévié dans sa tête, lui. – Premièrement, puis surtout, comme tu dis, ça a dévié. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'autorises ça? Parce qu'à quel moment dans ma société, dans mon apprentissage de vie, d'homme, de citoyen, on m'a dit, premièrement, c'est correct d'amener une fille dans le bois, puis… – Jamais. – Jamais. Fait qu'est-ce qui a fait ça? Mais ce qui a fait ça, ben, c'est… Ce pas jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit. Tout, non, mais c'est ça, ça. Donc, d'après donc, moi, c'est là où il y a un système mm -hmm. qui, qui est perméable à ça. Parce que si ton chef de police fait « on ferme les yeux yeah, », c'est le même des fois pire. Le partenaire ou le chef de police carrément qui montre ça, c'est l'autorité donc qui… Genre, on le fait comme ça yeah, se fait man, souvent. C'est connu, Tu le sais, fais, Comme tes nerfs, ferme tes yeux, ferme pis, ta gueule. Bah, ouais. pis, ça dérange qui c'est ça, exactement. c'est ben, là où, c'est peur. Ou c'est dangereux, mais c'est là où ça devient dangereux parce que là, toi, comme tu parlais, tu la, la frontière entre la, le, le bon et le mal, ben, ça devient flou. puis là, tu fais comme, ben, tout le monde le fait. Puis après ça, je sais pas les, les rapports pas tout le monde internes. Non, non, mais quelques-uns le font. Mais après ça, les rapports internes d'intimidation ou pas, tu as arrêté de te faire chier. Fait, que, ben, je vais le faire pour, je sais pas, je sais pas d'excuser, mais j'essayais de Comprendre. saisir en fait, parce ben, tellement fucking grave, à quel moment tu Parce t'autorises ça? Il n'y a personne ça? de l'extérieur qui voit ça en disant « Ah, oh, c'est correct. » Non, non. Personne. personne. Impossible. Puis tu le fais pourtant, là. sachant que si tu racontes ça à n'importe qui autour d'une table, tout le monde va être comme ben, « Voyons ouais. ben, c'est oh, ça. Ouais. Fait qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Aucune idée. Mais je suis persuadé que la vaste majorité de l'humanité ne fait pas partie du 50% qui est méchant. Moi, je pense au contraire. C'est juste la trois quarts des gens espèrent Faire le bien, espère pas trop déranger. Puis quand ils veulent faire le bien, ils savent pas comment. Fait que souvent, ils font ce qu'ils peuvent. Puis généralement, ben, c'est comme, tu vas donner un peu d'argent, tu vas t'impliquer vaguement. Ah ouais. Surtout si ça te frappe proche de toi, mais que, tu sais, je veux dire, la modélisation, c'est tough, là. Moi, j'ai l'impression que les gros gestes intenses, tu sais, mettons, les, le, le viol ou, ou le tromper ou voler mm -hmm. ou que. Le tuer, même, le, que le, la première fois tu le fais parce que j'imagine que tu as comme une pulsion, puis tu fais, là, ça fait des années que ça me roule dans la tête, ou, ou ah, là, je veux tellement Mais faire cette pulsion-là. C'est ça, tête. exactement. Là, tu le fais une fois, puis après ça, ton cerveau, il a pas le choix de te convaincre que ce pas si grave. C'est possible qu'il qu qu se lève le matin et qu'il fasse comme. Si, si, si tu te lèves le matin et que tu fais ça aucun bon sens que j'ai fait, mmh. tu le feras plus jamais. plus jamais. Mais si tu récidives, c'est parce que tu te convaincs dans ta tête que c'est correct. Mais il y a comme une. C est c est même, pas correct, mais Mais les, dire, les man... vétérans, c'est ceux qui vivent. Tu sais, t'es pas, pas conçu pour tuer. En ce moment, j'ai une fascination pour la guerre de 14-18. Puis c'est ça, t'sais, on, on mesure pas. À quel point c'était incroyablement violent physiquement, ah, mais je veux dire. Ça devait être l'enfer. Oui, mais, mais comme psychologiquement, c'est qu'ils prenaient… Tu trouvais que le colis, c'est rough? Les poisons qui avalaient, c'était… Ah, non, 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 mais, mais les tranchées, non, à non, la base, non, non. ils ont été obligés… L'armée de 1914 et 1916 a été obligée de repenser des uniformes parce qu'en fait, ouais, les tranchées, c'est peut-être un peu trop de la marde en ce moment pour les gars. Là. Comme ils sont rendus à un point où ils ne peuvent plus se laver, ils, peuvent plus, genre, ils ont des problèmes de pieds, les pieds de tranchées. là. C'est comme, en fait, des, 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 des... Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est comme des pieds comme... T'es gelé, puis il faut quasiment que tu te fasses amputer parce ouais, ouais, que... Ouais, tu viens pieds de noir. Ouais, ouais, c'est dégueulasse. Je suis plus capable de marcher, puis, puis comme... Tu sais, ce que je veux dire, c'est que ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont eu l'idée, puis il paraît que la guerre de sécession, c'est la même chose, là. Ils ont eu l'idée brillante, apparemment, de quand ils venaient dans une commune prendre les jeunes hommes, mettons, le village de whatever, là, ils prenaient tous les jeunes hommes puis ils mettaient tous dans le régiment dans le même régiment. Fait que là, le régiment, il arrive, là. Puis là, il y a une embuscade. 90 des gars, ils sont morts. Mais 90 des gars, premièrement, du village, sont morts, ce qui est comme super pour la démographie. Mais deuxièmement, imagine-tu sais quoi, psychologiquement, quand t'es le non, survivant du non, village, non, là? T'as non, 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 vu ton, ton dire, je... meilleur ami se faire, genre, éclater par une grenade, puis l'autre, comme, fracasser quand le cran. Quand t'as pas le choix, là. Tu sais, quand t'as pas le choix, là, ils font... À l'époque, c'était genre ben tout, tu t'en vas à la guerre, puis c'est tout. Non, non, tu poses pas de questions. Pis c'est ça, puis c'est très parce que c'est la guerre 14-18, ça fait tellement longtemps qu'on avait fait la guerre. Les gens y allaient avec. Oui, ils étaient contents. Ils étaient comme yes, enfin la guerre. Mais il y avait aussi un aspect on venge la guerre de 70 chez les Français, puis tout ça fait qu'il y avait comme un aspect genre patriotique. Il y avait aussi un côté propre à l'époque. Les armes, les armes étaient moins puissantes. Mais quand tu regardes l'uniforme des Français, c'est comme belle naïveté parce qu'ils sont avec des pantalons rouges là, comme. Sur un champ de bataille, là, ce qui dans, est comme. Dans, dans, dans le gazon, c'est pas Bravo. bon. Bravo! C'est sûr que c'est. C'est pas la meilleure idée. Ça fait... ouais. Mais non, non, mais c'est comme. Euh, non, non, c'est fou. Puis en fait, c'est une guerre industrielle, la guerre. Euh, la première guerre mondiale. Fait que c'est là où tu as eu des armes, non seulement de production massive, là, mais en plus des armes de répétition, c'est-à-dire des mitrailleuses. Parce que, ce... Blup 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 mais ouais, le des salles. Ouais. moi je me, je me pose la question. Puis on, en, en passant, on, aussi, de, parenthèse, on n'avait pas mesuré encore le calibre, fait que c'était comme open ah, range, fait qu'on mettait des calibres pas de bon sens qu'une balle ça explose genre quatre personnes. Tu sais, j'exagère, mais à non, peine. Grave, mais comme, ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas mesuré. On, on, on y allait, c'était le plus gros, fait que là on faisait les plus gros canons, les guns les plus les plus forts, les, les mitrailleuses. Ouais, puis tu ouais. le fais parce que tu te dis si moi je suis capable de le faire. Lui est capable de ouais, le faire. Ben fait, en fait, pourquoi, moi je le, le mangerai. lui il va le manger. Puis les chars d'assaut, tellement que quand c'est arri arrivé, c'est les Français qui sont apparus avec ça en premier. L'Allemagne a fait là, ça va trop loin, il faudrait garder un peu d'humanité. Fait quatre ans qu'ils se tuent, mais comme les chars d'assaut, c'était trop intense pour eux. Mais imagines tu sais, t'imagines-tu, t'es en 1917, 18, je pense. 18, là t'es sur un champ de bataille. Tu sais, déjà un char, c'est un événement dans un village, là, comme un petit camion. T'es comme oh, oh, wow il tombait à chaque fois. Genre. Oui, genre puis tu sais ça allait à 13 km heure. <laughs> Puis là, t'es dans un champ de bataille, t'as vu tout ton village mourir. Ça fait comme quatre ans que tu vis dans les tranchées. T'as ta 17 man. maladies. T t as ta 17 femme. maladies ou t'as peut-être 16 ans puis tu viens d'embarquer dans, dans le cirque, là, T'as deux orteils. Je sais pas, mais en tout cas, tout le monde que tu connais. C'est pas drôle qu'on fasse ça de la vie humaine. On non. décide, de, on fait genre, toi, tu vas te battre pour moi. Pour un... Oui, <laughs> mais c'est là où je que... une... t'expliquais, tu sais, la mafia, là, des. des ben oui, des mais c'était ça, là. Genre, nous autres, moi, là, moi, là, moi aussi. Genre, je suis dans une relation abusive depuis cinq ans, puis je décide de tuer mon chum parce que je suis à puis que, genre, il m'a rendu complètement folle, puis qu'il me battait, puis qu'à une je me défends. Moi, je vais avoir un procès, puis probablement faire de la prison. Mais par exemple, un, un gouvernement peut faire comme allez hey, gars, allez, Chris, ramassez hey, le quartier au complet, là, aujourd'hui, c'est celle-là. Ah ouais, puis pas, pas, pas de pitié pour les femmes, les enfants, là. Ah ouais, des écoles, des. Dans... Moi, je suis genre, mais ça fait pas de sens. Tu sais, puis la question que je me pose, c'est au niveau. Là, je vais dire génétique, mais ce n'est pas, pas nécessairement le terme, mais ce qui se passe en ce moment, mettons, euh, Israël, Palestine, t'sais, dans 70 ans, 150 ans, ces gens-là, là, ça va être quoi leur génétique? Ça, dire... ça va-tu être l'envie de vengeance? Ça va-tu être la peur, de, de, de le, 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 le besoin d'avoir une famille proche, la protection? C'est quoi, qu'est-ce qui va rester de plein de familles qui ont été éclaté, dissoute. Ben, la que Deuxième là, Guerre mondiale, je veux dire. Ben oui, mais, mais c'est ça que je te dis, mais ça fait pas longtemps, là? Ben, ça fait quand même 80 ans, à peu près. Non, t'sais. mais, mais c'est ça. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit 80 ans plus tard. C'est deux on est générations, rendu à deux trois générations, générations plutôt, plus loin. Mais... Il y a encore comme un traumatisme, là. Ben oui, puis tu parles, tu parles à quelqu'un, c'est son grand-père, tu sais, c'est sûr que c'est ouais. encore vraiment frais, mais de voir à long terme, qu'est-ce que qu qui va rester de ça, ça fait, j'espère je, que ça va faire des gens plus forts. Qu'il des gens qui s'écrasent qui ou qui se. qui ont peur qui qui deviennent méchants avec les autres mm -hmm. par, par vengeance parce que les gens ont été méchants avec Mais eux et que là ils deviennent. Le premier questionnement, c'est s'ils vont rester. Le premier questionnement, c'est si Je... dans 60 ans des Palestiniens en Palestine, il y en a. Il y avait des Parce images comment, ce matin... ça, comment ça avance, ça regarde mal. Il y avait des images ce matin d'une de, de page que je suis sur Instagram de, de Gaza avant. C'était magnifique. Mm -hmm. là. Hey, le, le bord de l'eau, c'est comme. Putain, un mythe que Gaza, c'est un ghetto qui n'a pas de corps Gaza, c'est très, très joli. C'est une c'est ça, exactement. Puis peu importe le bord, c'est super tendu, mais la mort des gens, c'est pas drôle. C'est comme... pas drôle, c'est grave. Hey, moi, j'aimerais ça, là, avoir 170 000 18 Ouvrir les portes, faire. Nous, on va vous protéger en attendant. Mais eux, là, ils font. ben non, c'est chez nous ici. Mm -hmm. à, au, au, au péril de ma propre vie, moi, c'est chez moi ici. Puis ma conviction, c'est que je veux rester ici. T'sais. Ça me fait tellement de la peine, mais je peux pas aller là si c'est comme. Puis il puis, y, y, a, y, a y a des vidéos qui circulent de à quel point tu peux être sadique envers des gens, mettons, que d'un bord puis de l'autre, de, de faire vraiment. Tu sais, genre, des gens nus par terre ouais. puis d'autres qui leur pissent dessus ouais. tu fais tu fais tu fais hey t'as rien contre lui puis rien contre toi là tu sais tu oh. le connais pas tu es comme je comprends plus où est-ce que vous êtes mais ça tu sais que ça génère sinon la personne qui le vit premièrement je veux dire t'as juste Elle le goût t'as juste le goût de te venger là c'est humain excuse-moi mais c'est ça je te dis ce que ça, ça humilie, crée, c'est dégueulasse hein? ouais puis là après ça tu sais puis moi c'est plus tu en fait Check la compte. Moi, c'est le gars qui a pissé sur ça. Là. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire, mais. Mais, mais bah, dis-toi que. Mettons, mettons, un mais qui pisse à... sur. Non, des, non, mais c'est plus... On va dire que c'est un soldat qui pisse sur un otage, ouais. OK? Ouais. Mais tu fais. Vraiment, là. Vraiment, là. Après, à ton buzz de 5 minutes, parce que c'est globalement ça qui arrive, là. Avec des gens qui filment et qui rient. Oui, ton buzz va durer littéralement, là, physiquement. 5 minutes. Puis lui, ça va le marquer pour le restant de ses jours. Ça vaut-tu la peine? Ah, toi aussi, je pense. Je pense non, non, que non, tu mais... t'oublies que t'as fait as pissé, ça. T'as pissé. Ouais, t'es traumatisé, là. C'est un choc, c'est sûr. T'es pas fait pour... À moins d'être un sadique perdu, psychopathe, puis genre... Mais t'es pas fait pour pisser sur du monde, là. En pas... état de vulnérabilité. De... Tu sais, je dis pas tu t'es dans un état de... Ben même, même, mettons, là, on est dans une genre d'avalanche, puis là, pour te, te prévenir de... Apparemment, faut des fois t'as pas le choix de pisser sur du monde pour ouais. vrai, pour survivre là. Ouais. Mais je sais pas. Mais, mais mettons. <laughs> mais c'est dans des vidéos hey, que j'ai vues. Allez vérifier. Ouais. De pisser dessus, mais aller mais vérifier. Mais tu te fais non? piquer par une méduse, mettons, dans imagine, face. Imagine tu, pisser, imagine, tu te fais pisser dessus et tu te fais dire c'est Philippe Audrey qui M'a dit ça dans un podcast. Non, mais tu sais, je veux dis... dire. Eh non, mais mettons que. Genre, <laughs> une engelure. Ouais, c'est une engelure. Tu ne peux pas vivre ça. Hein? Mais non, mais Phil, il y a des C'est pour, de pour ça qu'ils trouvent que c'est bizarre, le web. Ben oui. On ne sait jamais. Je viens de dire que. Non, mais pour vrai, une avalanche, tu as des engelures. Que... Si on est six à avoir envie, puis si on ne sait pas. Allez vérifier, on ne le sait pas. Il est 8 h le matin, on ne le sait pas. On le sait pas. Non, il, il, il paraît que c'est-tu, genre. Mais moi, il y a. Il y a des coachs qui, au foot, quand, en, quand j'avais envie, me disaient, puis j'avais froid, ils disaient, puis c'est tout dessus, tu sais. Fait que ça, c'est. Euh... Ouais, mais on a parlé des coachs, puis c'était pas le sommet pas de l'intellect. C'était pas les top. Mais, mais, mais je veux dire, comme. Puis c'est sur quelqu'un à la base, là. C'est. Il y a du... un avant, un après, d'après moi, dans ouais, là, la tête de, beaucoup de gens. C'est d'une vulgarité, mm -hmm. puis de... c'est tellement dégradant. Tout est tout nu, attaché les mains dans le dos, mais avec des... un foulard ses yeux, puis tu sens quelqu'un qui te pisse dessus, puis toi, t'es couché à travers des gens qui ont décédé là, dans mmh. tout ce processus-là. Tu sais, c'est comme, voyons que ça existe. Ouais. Mmh. Voyons que ça, ça existe. genre J'ai beaucoup de difficultés moi, ce temps-ci. À... Parce qu'on dirait que dans ma vie, je me suis toujours protégée en, en m'informant le minimum. Mmh. En faisant, je préfère vraiment écouter des téléréalités, puis être un peu conne, ouais. puis être imbécile heureuse, puis je trouve que la vie, c'est vraiment nice comme ouais, ça. Je pense que ça puis là, j'ai fait Hey, j'ai comme envie à, mettons, 33-34 ans, de faire I hey, go, t'sais, je let's go, je lis, je lis les nouvelles, j'y vais. Je, 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 je suis capable. Mais c'est parce que tu, Là après ça, tu faut que tu décides, est-ce que je vais pour ma Ma propre santé mentale et euh, je recommence à écouter des télé et je m'en fous. Tu peux plus. Je peux plus. Je suis prisonnière. Hein, là, c'est. J'ai mis le pied. Non, mais pas une bord. Joke. Ben oui, c'est pas une joke parce que quand, quand tu. Quand tu commences à, à, oui, à, à vivre. C'est pour vrai ce, tu viens d'écrire l'allégorie de la caverne. Oh, oui, c'est exactement ça. C'est quoi l'allégorie de la caverne C'est Platon. C'est Platon. C'est la première chose qu'on a regardé. Évidemment, je ne sais pas. C'est quoi là? Ben, Platon, C'est ben, un en, philosophe en, grec. En, en gros. Non, je, je sais, c'est qui Platon, mais dans le sens. Genre, c'est quoi l'allégorie de la caverne C'est que quand tu sors de ta caverne, là, tu fais comme hey, coudonc, non, je que, pourrais... En » fait, Mais tu as penses... le film La Matrice Oui. Non. En gros, l'allégorie de la caverne, c'est que c'est des gens de prisonniers qui sont dans une caverne. Très heureux. Puis. Ben, très heureux. En tout cas, ils sont, ils, sont, ils sont dans la caverne, puis ils sentent pas le besoin d'aller à l'extérieur de la caverne parce que. Ils n'ont jamais vraiment vu. Non, mais c'est qu'en en fait, ce qu'ils voient, c'est des projections, genre, mm -hmm. euh, bon, on, va, on va le mettre Moment Factory. Là. Ils voient des projections sur le mur de la caverne, la paroi de la caverne. Fait que leur conception de l'extérieur de la caverne, c'est ce qu'ils voient. Ils sont très à l'aise avec ça. Ils sont bien corrects, puis ils ne se questionnent pas parce que c'est beau, puis c'est le fun, ouais. puis tout. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui sort de la caverne, puis qui réalise que, oh Christ, c'est des projections, puis c'est pas vrai pendant tout ce qu'on voit. Puis Qui voit le vrai monde. Puis qui voit le vrai monde, puis qui voit toute la déception du ouais. monde. Puis là, il retourne dans la caverne, dire, hey gang, c'est pas vrai. PS, puis... ouais. la matrice, c'est l'allégorie de la caverne. Ouais, ou The Silo, la série sur Apple TV. Oui! C'est globalement le concept de l'allégorie de la caverne. C'est On fait croire un extérieur. Barbie. Oui ben ouais, un, ouais, un peu. Mais, 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 fait mais en comme, fait, j'ai le goût d'être quelqu'un et d'avoir un vagin. T'as raison. Non, mais c'est ça. Mais dans le sens où t'as ce qu'on Une fois que tu le sais, t'es fini. Ben, c'est à dire que ouais, après ça tu gères avec ça. C'est à dire que tu peux décider. Après ça, c'est un vrai combat philosophique. Mais c'est pour ça tu que c'est fondamental. Non tu mais su, tu me le dis, je suis dans marre, Je suis prêt avec ça. Non mais, ben, non, mais ben, tu en... comprends tu. <laughs> File fil, fil comme un meurtre. Tu viens me voir et il fait Marlène j'ai tué. Je fais. Tu viens de me. Il jamais. Je, sera jamais. Je, je peux pas, je pense. Je non, mais, pas capable. non mais, cas, mais je comprends complètement l'allégorie. Mais c'est ça, puis c'est pour ça que c'est un, un des problèmes fondamentaux, c'est parce qu'après ça, ça c'est tout sur la perception, sur l'identité. – Le déni euh, ?– Oui, après comment, ça… – Comment nier quand tu sais ?– Oui, après ça, après ça, la conception du bien et du mal. Je veux dire, c'est un, 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 un concept fondamental comment à la fais, philosophie et à la compréhension aussi, comment du comment monde. – Comment tu fais pour vivre quand tu sais que les autres préfèrent l'illusion plutôt que la vérité ?– le, le vrai danger, puis ça a été récupéré par les, les gens pendant la pandémie, c'est que tu peux… Oh, je vais prendre un exemple quand même connu, puis là, s'il y en a qui me blastent, « Hey, fuck you !» Mais, ça porte toujours bien quand on se fuck you, Phil. Oui. Ah, la sûr. Terre est plate. OK? C'est du monde, genre, ils se convainquent que la Terre est plate. Oui, c'est comme, c'est quoi la forme de la Terre plate? C'est même pas une forme, c'est si une petite cave. Ben, en tout cas, premièrement. Puis, deuxièmement, <laughs> moi. L'horizon, la... tu le vois, là. Non, non, puis, deuxièmement, c'est aussi, genre, à qui ça bénéficie de cacher que la Terre est ronde? Ça, c'est la question qu'ils ont jamais été capables de répondre. Puis, troisièmement, comme, <laughs> bro, à l'Antiquité, on, on le fait. savait que la Terre était ronde. Peu importe. Que, ce que je veux dire. Tes ennemis, c'est sûr, les trois personnes qui croient pour vrai, que la terre est plate. Non, mais c'est mais, mais c'est un exemple que je veux qu il y a donner. Même bien te non, non, es c'est parce cadre. que en fait, oui, je vais voir le consensus où on est une, une très vaste majorité à faire. Hey, les amis, vous êtes, des, vous êtes un peu illuminés. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, là, là c'est là le danger, c'est que ces gens-là sont persuadés eux d'avoir vu l'extérieur de la caverne, puis que nous, nous croyons années. que la terre est ronde. On est dans la caverne. C'est ça le danger avec la conspiration. Puis les... En fait, on parlait de l'intelligence artificielle. C'est que là, tranquillement, on va tronquer les médias. On va on va les, on va... les médias, tu déjà tronqué. Oui, mais, pas le mais là, des mais là ça... ça va être difficile de non, savoir c'est quoi la vérité. C'est bon, super, c est, c est super <laughs> sain d'être sceptique des médias. Oui, sauf que là, oui, quand, quand, on va dans la quand on va dans la mauvaise information, puis on va carrément dans le mensonge, puis on va carrément. Je sais que c'est pas nouveau, mais là, on va arriver à carrément... Je sais pas, on va arriver à un point où on invente des événements historiques. Puis je dis pas que ça existe pas, mais c'était quand même margin... Là, on arrive à un point pour vrai où on va reconstituer des images qui existent pas. Ben, il y a 20 ans, on l'a fait pour la guerre en Irak. C'était pas la même chose, Thomas, là, quand même similare. pas. Là. Non, je veux dire, là, là on va prendre un exemple québécois. T'as Véronique Cloutier qui a annoncé des, des gélules, genre amégrissantes ou je sais pas quoi. C'était pas elle. C'était pas elle du tout. La guerre en Irak, c'était des images stagées. Je veux dire, je comprends ton point... Mais là, on est dans du composite à 100%. Puis en ce moment, on a ni l'acuité ni les moyens de discerner le vrai du faux. Ben oui, moi, on dit là, ça, c'est ça qui est, ça moi, qu est dangereux. Je, ça moi, à chaque fois que je vois des artistes faire, hey, ça, c'est un faux compte, à chaque fois, je fais, Évident évidemment, c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas tout le monde qui mon le qu a les codes. C'est ça. Le, comme, moi, je reçois un message genre Hydro Québec te réclame 957 pièces avec 15 fautes dedans. C'est sûr. Je suis pas cave, mais il y a quelqu'un. Qui peut être quelqu'un dans un état de vulnérabilité. On pense souvent aux vieux. Ah, si vous voulez un documentaire génial là-dessus, un documentaire sur, disponible sur Crave, où vous pouvez le pirater, ouais, c'est ouais. le Télémarketer. Oui, C'est le Télémarketing aux États-Unis. Euh, non, mais, mais tu sais, on parle souvent des vieux qui sont comme moi oh, et la sont, d en la remorque d'Internet. Non, mais moi, je pense à, mettons, quelqu'un, un nouvel arrivant qui sait pas comment ça marche, vraiment, encore le pays qui sait qu'il y a Hydro-Québec, mais comme qui ne maîtrise pas parfaitement le français, fait qu'il ne voit pas les fautes, puis il se fait dire, là, tu dois 700 pièces sinon tu coupes l'hydro, puis c'est là, tu sais, je veux dire... Ouais, mais le, ça, c'est dangereux. Non ouais, mais ça, c'est de, dangereux depuis longtemps, situation oui, de, de fraude identitaire. Sauf que là, fraude... ça, ça va devenir de plus mais là, en plus perfectionné. Mais moi, moi, ce qui me fait peur avec l'intelligence artificielle, c'est pas tant ça plus que, tu sais, mettons, d'être capable de créer des séries, télé... Tellement réaliste mm -hmm. qu'on n'a plus besoin d'acteurs. Il va arriver à un point où on va faire créer de la musique ça. sans même avoir besoin de créer. Ça... J'ai écouté, écouté un podcast puis il y a un gars qui a fait Je vais faire un test. C'est clair qu'une œuvre exceptionnelle, c'est dur que l'intelligence artificielle l'a fait. Mais mettons un, un Law and Order. J'ai demandé de à l'intelligence artificielle de faire un, un, un épisode moyen de Law and Order. Puis Il en a fait « Je te jure, là, le scénario B. Ça, ça peut être tourné dans Mais tu sais, c'est une question de... De faire sont un, un show de Taylor Swift complètement ouais. faux. Ben, non, en mais ce moment, mais... il y a une influenceuse que c'est... Euh, c'est a... pas de vrai. Moi, j'en suis une. Euh, c'est une Asiatique. Puis elle, est extraordinaire. Là. Mais... Elle fait de la pub. Je suis fasciné parce comm... que c'est qu des vidéos. Mais moi, il y, y, y a, a une affaire qui comment ça a commencé? Il y avait la compagnie, c'est une agence d'influenceurs. Ils trouvaient ça difficile de gérer les influenceurs. en ont fait « c'est bien moins de troubles si on en crée une. » Elle puis bien plus payant. Elle des a des millions, commencé. millions d'abonnés, puis elle fait, elle, elle fait une super job, elle est super belle, tu la vois. L'agence fait 100, 100 de revenus. Genre, aller se faire faire des, des faciales. Non, mais c'est ça. C'est un, un, un mais bonhomme. Déjà, animé. Moi, moi, je trouve que ça, c'est déjà une problématique morale, ouais. mais moi, moi le, le moment où vraiment ça va devenir comme ouh, on fait quoi, c'est le moment où on va pouvoir, mettons, Oh, dans deux ans, Deux Princes, tu peux le faire. Non, officielle. non, ben oui. mais Déjà, ça va mettre ouais. un peu plus d'intelligence que ce qu'il y a en ce moment. Fait que non, ça fait une heure et quart qu'on fait pas de blague. De la caverne. Que, genre, moi, je suis mais... comme dans l'ouverture sur le monde, ouais. dans ma nouvelle vie de femme. D un est... gros show, film. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que... On a de parlé du Maroc. C'est vrai, de Lagos. On a parlé de Lagos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir un moment où on va voir, mettons, un film, puis là, on va... Ressusciter, mettons, Marilyn Monroe. Fait que là, on va mettre Marilyn Monroe Comme dans Tellement et Louise. Genre avec des vrais acteurs, mais elle, elle, elle va être dans le film. Mais oui, on va mettre en fait des acteurs ça, dans des films qui n'ont pas choisi. Non, moi, je trouve ça grave. C'est un je peu violent. En T'sais fait, c'est la profanation, je Quand sais pas qu il y a, si a eu l'époque où est-ce que genre. Euh, c est, c est, ça a été euh, vraiment. Euh, surtout ici au Québec, à quel point on les gens qui ont disparu qui sont décédés c'est comme on, ça pourrait être notre cousin notre cousine fait qu'on on est vraiment protecteur mais quand il y a eu là, le début du AI, justement puis que mettons il faisait parler Cédrica là, comme si elle avait <laughs> ah, 16 ans ouais. maintenant 17 ans puis qu'il envoyait ça, ça à la famille ça, non mais tu sais, ça tu fais tu fais hey les autres ben c'était il faisait il y avait des vidéos temps. de Marilyn Monroe mettons qui parlait puis c'est genre ah non non tu fais comme bon OK Marilyn Monroe je comprends ça peut peut-être pour ça les gens de son entourage, mais là, c'est envoyer des vidéos à la famille de Cédric. Ça, c'est juste épouvantable. Non, Moi, j'étais comme, bien, je comme hey, calissez, patience. À mais des as tu gens qui vu, Kanye qu a... West, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné pour la fête de Kim Qu'est-ce qu'il a, qu a fait encore il a... Non, mais c'est quand même, tu sais, ouh, je pense que c'est une fausse bonne idée qui a dû coûter une fucking fortune. En gros, il a amené Kim, je ne sais pas où, puis il a fait un hologramme de son père mort. De Hakim. Hakim, puis le père, il a repris la voix, tout. Puis genre le, moi je m'évanouis sur place. Le père de Kim ça. a souhaité bonne fête à Kim en non, disant non. je suis fier de toi je m'évanouis sur place c'est une scène dans The Writers Gemstone. Mais dis qu'on fait ça avec ta mère. Adorer ça. T'arrives chez vous, ta mère t'assieds à, <laughs> ta à, <laughs> ta à, <laughs> ta à côté de ton père sur le sofa. Ah tu fais tabarnak. Comme allô Thomas. Je sais pas. Non, moi je m'évanouis direct. Mais je pense pas que je serais comme Content. Impossible. Mais Moi, je serais vraiment si fâché Tu sais, Kanye West, tu sais qu'il fait genre le cadeau là. Oui, c'est ça. À un moment donné, tu sais avec qui tu sors. Ouais, ah, ils ont ça. divorcé pas longtemps après. J'imagine, oui, hein. Je pense j que c'est même pas un an après qu'ils ont divorcé. C'est sûr qu'elle a fait un taxi de fille. a fait cest trop <laughs> cétait <laughs> <laughs> C'est genre, Est -ce je, je, je l'aime beaucoup. Ouais. Moi, ce que j'aime, ouais. c'est que Kanye, il n'y a personne autour de lui qui a fait. Euh, je pense. Moi, j'achèterais un sac à main. T'es ouais. tu sais, au Maroc, il y a des beaux, du bon cuir. Ouais. Là, ça sent un ça peu fort, ouais, mais c'est ouais, correct. Mais um, check, check ça. Ouais. Euh, hey, sais-tu qu'est-ce qui ferait plaisir que tu mettes un fond d'étude pour ta fille? Ça, ouais. je suis sûr qu'elle aimerait plus ça que la reconstitution de son père mort. Je... <laughs> mon, mon amour, assis-toi, il faut que je te parle. Ouais. Je sais pas, j'ai trouvé ça. Intent. C'est l'intention qui compte, mais là, je suis pas sûr que tu en as c'est quoi ton but, là? Parce que. Dû, parce dû... que je me suis chié dessus ouais. Ouais, elle aurait, pendant. Elle aurait pu se venger puis mettre sa mère le lendemain. Ah oh non, mais là, il l'aurait pas pris, là, mais que. Que sa mère aussi décédée. Ouais. À... Hey, quand je suis allée au Bahamas, je suis allée. Excusez, vraiment vite, faut... parce que là, je viens de penser à ça, ben là, oui, là, quand tu te a dit. Genre, quand je suis allée au Bahamas, on est parti en bateau, on est allé sur une île, puis en passant, on a passé par Paradise Island et l'espèce de. Ça, c'est celle de Jeffrey Dutty. Jo Michael Jordan, sa maison. Il y a une maison là. Ça fait que c'est pas Epstein. Mais ben, okay. je pense que oui, là, il était là. Epstein, t'as vu sa maison? Il était, il était au Bahamas, sa maison. J'ai aucune idée, j'ai pas de tant suivi le dossier. Il y a Oprah, il y a Jay-Z puis Beyoncé qui ont une maison là, puis il y avait Michael Jordan. Puis quand tu passes proche de la maison de Michael Jordan, c'est une espèce de gros manoir blanc. D'ailleurs, dans le documentaire, goût, hein? il parle de là. Et dans les vitres, dans les fenêtres, on voit des photos de lui sur les murs de sa maison. Ah, eu... ça c'est chez eux! Ouais. Ah, il, il s'aime un peu. Il s'aime beaucoup. C'est pas surprenant, mais je trouvais ça vraiment Michael, drôle de voir ça. Michael, est comme... il est content d'être Michael. Michael, s'il si y a une chose que je suis sûr, c'est que c'est Ah, comme... sa défense! Je serais contente aussi d'être aussi milliardaire. Là. Non, moi, il est je Il suis pas pense... pire au basket. Oui, mais il est meilleur que tout le monde. C'est sûr, mais je trouve que quand tu entends les histoires de coulisses de Michael, tu comme, ouh, ça a l'air d'être un tas de marde, ce gars-là. Un... Ça serait drôle d'arriver chez Phil, puis chez eux, il y a plein de photos de lui. Là. Non, a pas comme, ça. Ben, non, mais t'sais, tu ben sais, tu On dit ça, mais derrière toi, il y a un cadre de... Ben oui, mais là, ça, c'est pour... <laughs> comme Je veux remercier Mireille, là, mais je ne suis pas à l'aise. je ne l'ai jamais regardé depuis le début. mais quand... On dirait, tu ressembles à quelqu'un que je connais, qui s'appelle Thomas Champagne. Ah, ah. J'aurais dit, je pensais que tu allais dire Philippe Audrey, rue Saint-Jacques. Oui, c'est lui le, le ouais. modèle. Mais non, non, mais, euh, mais dans le sens où... Euh, non, c'est genre, j'oublie ça, là, tu ne peux pas avoir des... Les, 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 un portrait de toi... Tu sais, en, en peinture, ça, c'est bon. quand même. Ouais, ouais ben, bien, Eve et moi, on a eu souvent là, des, des gens qui nous ont offert quand même des, des ah, c'est pas les plus beaux dessins, des, des moi, fois. Les autres sont extraordinaires. Okay. Vraiment, il y en a deux qu'on a reçus, là, malades mentales. Eve en a un dans son bureau, ma mère a l'autre. Mais euh... Mais des fois, c'est pas les plus beaux dessins. Des fois, ils font jeter dessiné, puis tu fais. Tu me connais dessus Voici un dessin de Georges et toi, puis je fais. Oh, j'espère que ça me passe. Aimes tu sais, t'aimes-tu ça qu'on dessine? On me dessine pas, moi. Mais il y a un. Là, là mais Je veux dire, à part Mireille, là, là. mais Mireille, oui, j'ai adoré ça. C'est un okay. moment fort dans ma vie, mais, que, mais on, on, personne ne personne m'apporte des cadeaux, sauf des livres. On, on me donne beaucoup de livres. Ben, attention. Oui. Euh... À ma fin de 30 ans, tu, me, tu me, étais venu me porter une bouteille de vin au restaurant, tu te rappelles-tu? Non. Oui. Ah, gentil. Oui, on faisait une, une soirée dans un restaurant. Sur qui... Mont-Royal, hein? Oui, je pense. Puis, euh, moi, j'avais demandé à mes amis, j'aimerais avoir une bouteille de vin avec un mot sur, dessus. Tu sais, avec un crayon qui est sur les bouteilles de vin. Puis, Phil, tu pouvais pas venir souper, mais tu étais déplacé pour venir me porter la bouteille. Ah, je me sais pas qu'est-ce que j'ai écrit par contre. Moi, C'est un poème. T'sais, moi, je pensais garder ça 30 ans. J'ai vite descendu ces petites bouteilles-là. Il <laughs> me semble c'est du bon vin. J'ai un cadeau pour vous. Hey euh, euh, génial, du Génial, là-dessus. Du Portugal. Un C'est hey <laughs> Louis Figo! de m'en débarrasser parce que c'est dégueulasse. Ah des sardines! Des Laisse faire! Des sardines, c'est fucking. Ah, il, dit, bon. il a dit des savons! Non, <laughs> des sardines, moi je vais les prendre. T'aimes-tu ça? Ben à mort! C'est Pourquoi tu voles mon cadeau? Parce que je voulais t'offrir... Il a volé mon cadeau! T'aimes-tu les sardines? Est-ce que, ouais, est oui, que tu pas? voulais Thomas ou C'était pour t'offrir le choix, Thomas. Je connais pas la. la, la prends ce que, que tu préfères ben, Moi, j'ai acheté Thomas. des tardines. Non, c'est malade. Veux, juste, juste souligner que pendant 15 secondes, Phil a volé mon cadeau. Non. Ouais. J'ai fait. Je voulais faire. Non, ça, c'est ça, c'est typique Thomas. Ah, je il, fais leur, un leur, geste, il leur fait. Il leur fait. suranalyse Avec le, une mauvaise intention. Mais oui. C'est ça. Mais tu leur fais de C'est comme Sanchez. Fais que le le. Mais tu viens de leur faire. Non, je te le montre. Mais je sais comment le voir. Bon, fais qu'est-ce que tu veux. Tu es tellement lourd. Tu es tellement lourd. Moi, c'est lui qui est lourd. On va finir. On va finir avec quelque chose que qui a vraiment circulé hier sur internet puis j'en ai parlé avec ta blonde en plus Steph oh ok puis j'ai promis tu vas manger des sardines là là devant tout le monde c'est tout huileux ok peut-être c'est as-tu déjà mangé des sardines mais c'est c'est la première fois tu rates ça pendant un an et demi non 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 c'est un régal sais tu avec quoi c'est bon des sardines sardines grillées premièrement incroyable on a goûté au Portugal je trouve que ça goûte fort mais as-tu mangé la tête de la sardine ben oui Phil ben oui ben oui j'ai croqué dans les yeux mais ben les yeux de, des yeux de poisson, ah c'est délicieux, non, non. là. Non, moi, je suis pas celle-là, là. Non. Non, fait que ça j'ai acheté plein de sardines, ça me fait plaisir de. Mais non, mais c'est malade. Moi, genre, genre un, un... Dès, dès que, je vois des sardines que je connais pas, des cannes de sardines que je connais pas, je les achète, fait que je suis fucking content. tu suis content de j'suis, ça. Je suis débordé de joie, genre, j'ai hâte de les apporter à ma blonde. Tu as vu montrer quelque chose ouais. Ok, fait que là, je vais, vais te lire une story que, qui a été partagée hier des milliards de fois, je pense, sur la planète probablement. Puis je veux que tu répondes à la question. C'est à propos de J'ai très peur. Guys, qu'est-ce que tu as dit? tu la story à propos de QC Scoop? Non. Partagé sur la planète. <laughs> la grosse affaire, QC Scoop. Non, mais je Mais correct. je veux pas en rire, je veux pas en rire, c'est juste non, que... non, c est, c est Moi, ça serait correct que ça existe plus, cette affaire-là. Non, ouais. non, c'est ça, mais c'est pas. J'ai de la compassion à 100 c'est juste que la porte a ouverte pour oui, une Oui, fille et qui s'est partagé. C'est tout. Guys, close your eyes. Imagine you have a daughter. Oh, you have some. You have one, man, pas somme. Imagine she's dating a guy like you. Did you smile? No? Then change. Thomas, t'en penses quoi, toi? Je trouve ça extrêmement étrange. Parce que, elle peut, pourquoi elle peut sortir avec elle? Veut? Pourquoi il faut tout le temps qu'il faut. Non, on parle, là, c'est à toi qu'on parle. Ouais. Est-ce que si ta fille était avec un gars comme toi, de elle va sûrement être moi, souvent, on sort avec des hommes qui ressemblent à nos pères. Est-ce que tu es content? Oui un mec qui dit non. <laughs> moi j'y crois pas. Je crois pas quoi c'est pas J'y crois pas. Toi tu vas être content que ta fille sorte avec un gars qui crie quand les Ravens perdent par trois points oh parce ouais. qu'il est je en train vais... de perdre 17 pièces. Qui en m'entendre avec Qui s'habille avec comme toi Ouais. Thomas, je t'invite à les... sortir enfin, de ta tête. Pas ça, je t'invite euh, Thomas. J'ai des défauts <laughs> pas mal plus graves que je m'habille mal puis je qui. Ben Mais non, c'est pas, pas vrai moi je trouve même pas que tu t'habilles mal. Je me force c'est ce qui est fou, là. ça c'est moi qui se force. Ah ça ça c'est euh... lui sur sa tenue de gala. <laughs> oui. Ça c'est ça, ça, moi là ça c'est mon... oui. moi oui. en ce moment oui. qui travaille un rôle pour être oui. loose puis être à l'aise là-dedans voilà. et ça c'est lui qui qui le plus fort. Ouais, moi en ce moment je suis comme moi ouais, je me force pour être habillé de même et lui tenue de gala. Tu ouais. irais aux oliviers habillé de même Bien sûr. J'aille les oliviers. Est-ce que c'est -ce es trop sérieux aujourd'hui vous pensez Non, c'est différent, c'est le fun. Ouais, je comprends. Le but, c'est Tu sais quest ce qui est le plus triste dans la vie? C'est quand t'es drôle pour rien. Il y a des choses plus, pas le plus tristes. comme ça, le vrai. Il y a comme ça, le cancer, Il ouais, n'a hey, pas, pas, pas dit la chose la plus triste. Que il a dit, tu sais ce qui est triste dans la vie? Oui. Tu sais ben, ce qui ça, est plus est... triste qu'un épisode sérieux? C'est quand t'essaies d'être drôle, puis c'est un désespoir parce que c'est pas drôle, puis t'essaies d'être drôle pour rien. Moi, a... ouais, ça me fait... The Office, c'est basé sur quelqu'un qui essaie d'être drôle Oui, coup, mais sauf vraiment. que c'est très bien écrit, puis c'est une bonne ouais, ben création mais de bon, personnage. Mais ça en fait, ça me tout ça, sauf que je veux dire, là, ce que j'essaie juste de dire, c'est d'essayer d'être drôle avec une pression dont on un gun, ça faire. Fait ben que là, euh, 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 ça, c'est pas drôle, puis ça, c'est minable, puis ça, c'est tri plus triste qu'un épisode sérieux. Où on parle de choses sérieusement avec des, des, des sujets sensibles. Mais moi, je, mais je suis vraiment contente qu'on ait parlé de ça, parce que je, justement, de, des guerres, puis du voyage, puis de. Parce que je, je, je trouve que. Mais tu changes! Puis ça, ça je le dis C'est ça, je le je connais je... depuis longtemps, puis je le vois que tu changes, puis je trouve que franchement c'est très agréable de devoir changer parce que c'est une belle direction que tu prends. Ben, mais non mais ça je le dis sincèrement. Puis je me rappelle quand on était au... à l'école de l'humour, je posais des questions en fils, j'étais comme explique-moi un peu les guerres nanan, mm -hmm. tu sais, puis je, je on dirait que ça rentrait puis ça sortait, tu sais, j'étais comme ah ok, ça, juste que parce buvais, que parce que tu buvais beaucoup. Ben, le... Où oui, est le PS probablement mais ça, mais ça joue. Non mais dans le sens de c'est comme quand on s'intéresse pas à quelque chose, ça reste pas en nous. Puis ça, ça part. Pis là, maintenant que je m'intéresse réellement à l'autre, <laughs> c'est un peu sortir de l'égocentrisme. Là, mm -hmm. je, je pense que je, je, je suis quelqu'un qui, qui a quand même cette tangente-là de, de, de m'intéresser plus à l'autre. Euh, ben ça reste en moi, tu sais. Mettons, l'information reste, l'envie de parler de ces affaires-là aussi est présente. Puis J'en suis même peut-être un peu lourde dans des soirées où il faut que ça soit comme ludique et léger. Ah, <laughs> fait qu'il faut pas t'inviter au Randolph en ce moment. <laughs> on est là, on joue, on est en train de jouer à tu sais la Shoah, là, on joue à genre uh, Guess Who, tu comme hein, je, là c'est le fun là, le plaisir qu'on a. Tu sais ça aussi c'est un extrême que j'ai j'ai à Guess Who, je préfère parler de la Shoah. C'est pas un super jeu. Mais en je suis même temps, j'ai pas qu'elle. Moi c'est un jeu qui est basé sur les préjugés. Ouais. <laughs> puis, Allez, là, si les veux... apparences. Et tout ce qui moi, c'est ouais. c'est des affaires. Dis-moi pas que t'es pas confortable là-dedans. Quand je suis allé en Allemagne, j'ai vu à l'hôtel Tom de Guess où. Vous voyez c'est lequel Tom Tu fermes les yeux, Tom. Euh, la tête en neuf avec des petites lunettes rondes puis les cheveux noirs sur le côté ici. OK. Tom, oui. je veux dire, j'ai failli tomber à terre. J'ai fait, moi je le connais, c'est un acteur, un... il est connu, puis j'ai fait tabarnak. Il est dans Guess C'est le gars, il est identique à Tom de Guessou. Je ne m'en remettrai jamais. C'est extraordinaire. L'Allemagne. La, juste... ouais. L'Allemagne est remplie de surprises. Ouais. On dirait un acteur. Est juste qui... montrer Tom, mais à part ça, il me ressemble, puis ça m'énerve. C'est pas faux, hein? Non, parce que tu un vraiment plus gros nez. Lui, il a un petit, petit, petit nez. Puis il a petites, petites bouches. Mais le reste, c'est là ouais, ouais. Tu pourrais être Tom tu pourrais être guisant Tom, Tom alors oui. franchement si t'étais quelqu'un de Guess où, toi tu serais qui Tom je sais pas je connais pas les faces Mais de, de Guess, guess Mais voyons que toi tu connais pas les faces de Guess tu t'as pas assez joué à je ça j'ai pour... jamais joué à bon, ça il que l'épisode est, est fini là peu je veux juste finir avec Phil c'est lequel de Guess où. J'ai l'impression on okay. a fait le tour du Moi, j'aimerais ça être Louis Figo. Ben, si les gens veulent quitter, il n'y euh, a pas de troubles. <laughs> moi, je pense ça dessus ah, Attendez deux secondes, oui, j'ai la, se... oui, oui, la photo. Oui, oui. J'aime que ça allait <laughs> super bien, puis là, on, on essayé de finit avoir... avec ouais. Guessou. Mais ouais. moi, je vais être. Ah, oh, je sais c'est qui, c'est Robert. Check on ben. Le Robert on Ben oui, je vais te montrer la photo. Robert, c'est l'homme triste. C'est sûr, ça va me faire de la peine. C'est sûr. Robert, c'est. C'est sûr, Robert, c'est. Il y a Robert. C'est l'homme qui trouve que la vie est dure. Mais il est beau. Je savais que ça me ferait de la peine. C'est Robert! <laughs> je suis pas Robert. Robert! Robert. Puis moi, je suis Anita. Ok. Off. Deux princes. Bye. Deux princes et Anita.